Merci beaucoup. Bonsoir à toutes et à tous. Nous allons démarrer ce conseil municipal. Je laisse M. Charrère redonner les procurations à M. Sévely, qui sera notre secrétaire de séance. J'en profite pour vous dire qu'en début de séance, une fois que nous les aurons approuvés, il y a 3 PV de conseils de municipaux à signer. Pour les membres de la CAO, M. Charrère passera discrètement faire signer la séquence sur Langevin. Monsieur Sévely, est-ce que vous êtes paré pour l'appel? Très bien, je vous laisse démarrer. C'est bon pour le micro? Oui. Merci. Bonsoir à tous. Donc Richard Delpierre, Violaine Charpentier, Benoît Ribert, Louis-Marie Soleil, Véronique Siadouce, Christophe Consdorf, Martine Bélier, Jean-Louis Jariche, Aline Témédites est représentée par Louis-Marie Soleil, Philippe Collins, Marie-Laure Majou, représentée par Richard Delpierre, Anne Testu, Gilles Bertin, Claude Joriot, Marie-Thérèse Kelly, Dominique Forget, Marie-Claude Chevrier, présent. Janine Bataille, présent. Patrick Berthomé, présent. Jean-Michel Vanguet, présent. Tanguy Audic de Carmen, Géraldine Arenschneider, représentée aussi par Tanguy, Frédéric Darentière, Valérie Genquin, présent. Agathe Méry, présent. Joséphine Parmentier, présent. Martial Prado, Camille Ribert. Ah, je vais pas. C'est par toi, Benoît. D'accord, merci. Jean-Christophe Voiseux, représenté par Joséphine Parmentier. Marc Sévely, moi-même. Lucie Loncle Duda, représentée par Agathe Méry. Merci. Marie-Cécile Godot. Frédéric Rospini. Représenté par Violaine Charpentier, Jean-François Pommery, Maurice Toledano, Nicole Alquet, Karine Le Méné, Fabrice Tabary, Brigitte Fauvel, Guillaume de Châtelus, Stéphane Gors, Dorothée Bilger, Catherine Nocringer, Caroline. Qu'est-ce que j'ai dit? Catherine. Émotion, pardon. Je suis allé trop vite, désolé. À la fin de la mandature, on aura le tiercé dans l'ordre. J'ai failli faire. Merci beaucoup, Monsieur Sévely. Je pense que le quorum est atteint. Donc, nous allons commencer par approuver une série de procès-verbaux. Le premier, c'est celui du Conseil municipal du 17 février 2022. Est-ce qu'il y a des souhaits d'intervention, de remarques sur ce PV? Je n'en vois pas. Je vous propose donc de passer au vote. Y a-t-il des votes contre, des abstentions? Ah, l'unanimité, merci. Deuxième procès-verbal, celui du Conseil municipal du 16 mars 2022. Même question. Même réponse, passage au vote, y a-t-il des votes contre, des abstentions à l'unanimité? Et le troisième et dernier procès-verbal, c'est celui du Conseil municipal du 13 avril 2022. S'il n'appelle pas de commentaires, pas de vote contre, pas d'opposition, donc ces 3 PV sont approuvés. Benoît, vous pouvez vous lancer dans l'exercice des signatures, je vous en remercie. Nous allons donc ouvrir ce conseil avec la première délibération qui concerne le secteur de la petite enfance et la réorganisation de l'accueil familial. Je passe sans plus tarder la parole à Madame Bélier. Merci Monsieur le Maire. Je vais essayer de résumer rapidement le rapport de présentation qui se trouve être un peu long parce que la structure des crèches dépend de plusieurs instances et que ça complique un peu les choses. Donc depuis 2016, le nombre d'assistantes maternelles de la crèche familiale ne cesse de diminuer, ainsi et par conséquence, le nombre de berceaux. Actuellement, il restera à la rentrée 5 assistantes maternelles pour 19 berceaux.
Pour maintenir l'accueil dans cette crèche familiale dans des conditions de dynamisme satisfaisant, il est proposé donc le rattachement de cette crèche familiale au multi-accueil de la Pépinière. Le choix de la Pépinière ne s'est pas fait au hasard, puisque cette crèche est sur le même site que la crèche familiale, à savoir le site de l'enfance, et que le nombre des berceaux de ces deux crèches est compatible avec une crèche de moins de 60 berceaux, puisque l'ensemble des deux représente 59 berceaux. Cette nouvelle organisation permettra aux enfants et aux assistantes maternelles de venir partager en collectif des activités qui seront préparées à la fois par les assistantes maternelles et par les agents de la pépinière sous la direction de sa directrice. Pour cette fusion de crèche, il est nécessaire d'ouvrir un poste d'adjoint supplémentaire puisque l'ensemble sera porté à 59 berceaux, les 40 berceaux actuels de la pépinière et les 19 de la crèche familiale. Les assistantes maternelles seront hiérarchiquement rattachées à la directrice de la crèche de la pépinière. Les conséquences pour les familles sont qu'elles gardent le bénéfice de l'accueil individuel enrichi de deux demi-journées en accueil collectif. Mais la principale conséquence reste un problème tarifaire, puisque conformément à la PSU, prestation de service unique, le tarif est obligatoirement porté à celui de l'accueil en crèche collective, qui se trouve être plus élevé que le tarif en accueil familial. Toutes les familles concernées ont été appelées personnellement, de façon à ce qu'il n'y ait pas de soucis sur ce sujet. Pour compléter la délibération, il sera nécessaire d'obtenir l'accord du conseil départemental pour la transformation de cette structure et de signer une nouvelle convention avec la Caisse d'allocation familiale des Yvelines. Voilà, il est donc proposé à l'Assemblée d'approuver les différentes dispositions qui permettront la mise en œuvre de cette évolution de l'accueil familial du jeune enfant au sein de la commune. Merci Madame Bellier. Y a-t-il des souhaits d'intervention sur cette délibération ? Pas de souhait d'intervention, on va donc passer au vote. Y a-t-il des votes contre ? Des abstentions ? À l'unanimité, je vous en remercie. Alors, nous allons attaquer maintenant une séquence de trois délibérations sur le même sujet, mais on va commencer par le projet culturel, scientifique et éducatif de la bibliothèque municipale. Et c'est M. Vengère qui ouvre le bal. Merci, M. le maire. Bonsoir à toutes et à tous. La bibliothèque du Chesnay-Rocancourt est un équipement fondamental de la commune. Elle joue un rôle de premier plan dans l'accès de tous à la culture. Elle a pour mission de développer l'accès au savoir pour tous, de favoriser l'intégration de nouveaux publics, en se rapprochant des publics éloignés de la lecture et de la culture, en sensibilisant les tout-petits. Elle se doit donc d'être tournée vers les habitants, en faisant en sorte que ses objectifs et son fonctionnement soient en corrélation avec les besoins et les attentes de la population. Forte de ce constat et dans l'objectif de définir et formaliser la stratégie de la bibliothèque municipale autour de ses missions de lecture publique, la commune a souhaité en formaliser le projet culturel, scientifique, éducatif et social, PCSES. Construit à partir d'un bilan de l'existant incluant une analyse de la situation économique, sociale et démographique du territoire, l'historique de l'établissement ainsi que l'état des lieux, de ses forces et faiblesses, le PCSES présente la politique culturelle de la ville et conclut sur un programme à mettre en œuvre. Ce document stratégique permet ainsi de répondre à différents objectifs, repenser le projet pour répondre aux attentes des habitants, fédérer le projet de service avec et entre les acteurs internes à la collectivité, élus, agents du service public et externes, DRAC, régions notamment, mais aussi en concertation avec les publics. Concevoir les objectifs culturels, sociaux, éducatifs et scientifiques du service bibliothèque, analyser ses forces et ses faiblesses, définir les outils de mise en œuvre. Il est donc proposé à l'Assemblée de délibérer pour valider le projet culturel, scientifique, éducatif et social de la bibliothèque municipale tel que figurant en annexe de la présente délibération. Avez-vous des questions ? Remarques ? Madame Malquier. Oui. Donc je vous remercie de reconnaître déjà que nous avions un équipement de bibliothèque extrêmement performant. Donc merci pour cette reconnaissance. Et puis nous sommes assez favorables à ce projet.
qui nous paraît, bon, on avait une idée de salle polyvalente qui aurait pu être plus diverse, mais c'est quand même, voilà, la place à la musique, voilà, tout ça, nous sommes assez contents de ce projet a l'air tout à fait satisfaisant. Donc, nous votons pour, volontiers. Merci de votre intervention. Y a-t-il d'autres souhaits d'intervention? Je force, pousse pas la consommation, mais... En fait, l'idée, effectivement, de dire, un, que le document qui nous a été remis était bien fait et intéressant. Je fais partie de la commission culture et je n'ai pas pu m'y rendre et voilà, c'était franchement intéressant. Et que oui, il est difficile de ne pas reconnaître que le projet est intéressant. Mais des fois, on a le droit de dire que c'est intéressant. Mais tout à fait. Il n'y a pas de problème. Surtout sur des sujets comme ça. Merci en tout cas de vos retours. Je profite avant que nous passions vote pour remercier les services qui, dans un laps de temps très contraint, ont préparé un document dont chacun s'accorde à dire qu'il est de bonne qualité. Donc des remerciements particuliers à Flavie Lebouc et à Athénaïs Deblot qui ont voilà, vraiment dans un laps de temps très court, je ne dirais pas en combien de temps, permis de structurer ça. Redire aussi que ce travail sera itératif, hein, l'exercice doit être refait régulièrement. Mais voilà, maintenant on va passer au vote et je vous dirai ensuite pourquoi ce travail était fait dans un laps de temps court. Donc qu'y a-t-il des votes contre? Des abstentions? À l'unanimité, merci. Donc, sans trahir de secret, Jean-Michel Vengère va reprendre la parole parce que si on a demandé aux équipes de produire ce travail extrêmement court, c'est que derrière, il y a possiblement des subventions à aller chercher et dans le contexte économique que vous connaissez. L'enjeu est d'importance, Jean-Michel. Ben, ça fait l'objet de la délibération d'après. Donc, demande d'attribution de la dotation générale de décentralisation, concours particulier relatif aux bibliothèques, exercice 2022, construction d'une bibliothèque de quartier. Ça va être un petit peu long, je suis désolé, j'ai pas eu le temps de le résumer. Donc on y va. Le projet culturel, scientifique, éducatif et social qui vient d'être présenté à l'approbation du conseil municipal mentionne dans les actions envisagées la création d'une bibliothèque de quartier dans la ZAC du Bourg. Ce quartier est situé à l'extrémité nord-ouest du territoire communal alors que la bibliothèque est située à l'extrémité sud-ouest. La pertinence d'y installer une bibliothèque de quartier est d'autant plus grande que dans le prolongement de ce quartier se situent à l'ouest les terrains occupés par l'INRIA, qui constitue l'essentiel des capacités de développement futur de la commune nouvelle, potentiel de 1040 logements en cas de libération complète du site par l'INRIA. La présentation du dispositif de soutien financier. Un concours particulier a été créé au sein de la dotation générale de décentralisation, DGD, pour les bibliothèques de lecture publique afin d'accompagner les projets des collectivités territoriales en faveur de l'accès aux livres et à la lecture, de l'apprentissage du français et des langues, de la citoyenneté, de la lutte contre l'illettrisme et l'électronisme, commune, intercommunalité, département. Les règles applicables sont codifiées aux articles L1614-10 et 1614-75 à 95 du Code général des collectivités territoriales, ainsi que dans la circulaire NORMIS 19089-15C du 26 mars 2019 du ministère de la Cohésion du Territoire et des Relations avec les collectivités territoriales et du ministère de la Culture. La dotation est susceptible d'être accordée à de nombreux projets de développement des bibliothèques et médiathèques, comme par exemple les projets de construction ou d'équipement numérique. La mise en œuvre de ce dispositif s'inscrit dans un cadrage précis, sous la responsabilité de la Direction régionale des affaires culturelles, DRAC. Un des critères d'éligibilité pour les projets de construction, rénovation, extension de bâtiments, mais aussi d'équipements de mobilier, celui de la surface minimale à respecter. La norme fixée par le dispositif est de 0,07 m² par habitant jusqu'à 25 000 habitants, puis 0,015 m² supplémentaires au-delà. De plus, pour les collectivités de plus de 10 000 habitants, les équipements annexes qui prétendent à un concours de l'État ne peuvent pas être d'une surface inférieure à 300 m². Le deuxième critère est celui de l'emploi salarié pour les projets de construction. Rénovation, extension de bâtiments, la collectivité doit disposer d'au moins un emploi salarié pour que le projet soit éligible. La nature de l'opération doit s'inscrire dans les thématiques d'intervention déterminées qui incluent notamment la construction, l'extension, la rénovation, la restructuration de bibliothèques principales et de quartiers. Le taux d'accompagnement représente 20-80% du coût total hors taxe du projet selon la nature et la qualité du projet. Le projet éligible est la dotation sollicitée. Il ressort des caractéristiques du dispositif que le projet de construction d'une bibliothèque de quartier d'une surface de 343 m² dans le quartier de la ZAC du Bourg de Rocancourt
répond aux critères fixés par ce concours. En termes de surface, ce nouvel équipement portera globalement la surface de la bibliothèque de la ville, centrale plus extension, à 2162 m2, respectant ainsi le seuil minimal fixé par la loi qui ressort à 1843 m2 pour la commune qui compte 31 233 habitants au dernier recensement INSEE. Le diagnostic ayant conduit à identifier le besoin, les caractéristiques et la future offre de service de cette extension vous a été présenté dans le projet culturel, scientifique, éducatif et social de la bibliothèque de la ville, objet de la précédente délibération. Le coût global estimé de l'opération s'élève à 1 126 452 euros hors taxe, réparti comme suit. Je le dis pas. Non. On y va. Non. Je pense qu'ils vont calculer les TTC. Oui, en plus. Pour mémoire, ce projet a fait l'objet d'une autorisation de programme lors du conseil municipal du 14 avril dernier pour un montant global de 1 206 000 euros TTC. Il faut préciser que le périmètre des coûts pris en compte est différent dans les deux cas. Notamment, les honoraires de maîtrise d'œuvre ne sont pas inclus dans l'autorisation de programme car ils ont déjà été engagés dès 2021. Pour autant, ils font partie des dépenses subventionnables dans le cadre de la DGD. En termes de financement, l'opération bénéficie par ailleurs d'un fonds de concours de Citalios, l'aménageur de la zone d'aménagement concerté dite ZAC du bourg de Roquencourt, à hauteur de 300 000 euros, et d'une subvention de 66 480 octroyée par Versailles Grand Parc dans le cadre du plan de développement intercommunal. Il faut d'ailleurs préciser que, conformément au traité de concession d'aménagement qui lie la ville à Citalios, la première a bien conservé la maîtrise d'ouvrage pour la réalisation du bâtiment, tandis que la réalisation des espaces extérieurs relève de la maîtrise d'ouvrage du second. En termes d'avancement, le maître d'œuvre désigné par la ville pour mener à bien ce projet de construction vient de remettre l'avant-projet sommaire. Il est ainsi envisagé un démarrage des travaux qui devrait s'échelonner sur 12 mois après l'obtention des autorisations d'urbanisme, soit début 2023. Le parti pris architectural de la construction est guidé par un souci d'unité tout en prenant en considération la dimension multivalente de cette bibliothèque de quartier. Cela se traduit par la nécessité de deux bâtiments pour garantir la sérénité des usagers, ces deux bâtiments étant réunis sous un même toit afin de garantir l'unité et l'identité de l'équipement. Ce toit dessine la volumétrie intérieure des espaces et unit les différents usages en couvrant la circulation extérieure qui traverse le bâtiment en assurant une vue directe depuis l'accueil sur l'ensemble des futures activités. En termes d'empreinte environnementale, le projet s'inscrit dans une dynamique de développement durable, d'exemplarité environnementale et de performance énergétique des équipements municipaux, ce qui explique notamment le choix du bois comme matériau premier de construction. Il appartient donc au conseil municipal de délibérer pour approuver l'avant-projet de cette opération d'investissement et formaliser la demande de soutien financier de la commune au titre de la DGD bibliothèque à taux maximum. Merci, voilà. Monsieur Angère. Y a-t-il des souhaits d'intervention sur cette délibération? Et donc, vous avez en annexe. Oui. C'était le 13. 13, ok. 13, donc, on va faire modifier. Merci beaucoup de votre vigilance, Madame Baudot. Est-ce qu'il y a des souhaits d'intervention sur cette délibération très détaillée, sur l'annexe, puisque vous avez, pour ceux qui ne l'avaient pas vu en commission, le plan et des vues d'artistes qui permettent de se faire une idée de la réalité du bâtiment. Je rappelle, ça a été dit dans la délibération, que nous sommes accompagnés par Citalios dans le cadre de l'opération telle qu'elle avait été prévue à l'origine, et que dans les choix que j'ai faits en arrivant en 2020 de terminer l'opération Citalios, il y avait évidemment le volet activité, mais il y avait aussi ce volet-là. Et donc, à un moment, si cette opération se termine, et j'entends de ce que vous dites qu'elle pourrait se terminer plutôt bien sur cette partie-là, c'est aussi parce qu'on boucle le projet tel qu'il avait été pensé originellement et en essayant de perdre le moins de temps possible. Voilà. Donc, je voulais profiter de cette séquence pour le rappeler. S'il n'y a pas de souhait d'intervention, je vous propose de passer au vote. Y a-t-il des votes contre? Des abstentions? À l'unanimité. Merci. Dernier volet de cette séquence, c'est l'adaptation du plan pluriannuel d'investissement 2022-2026 avec la modification de l'intitulé de l'autorisation de programme numéro 2022-704. Monsieur Soleil, vous avez la parole.
En fait, jusqu'à présent, ce projet s'appelait création d'une salle polyvalente et on vous propose de l'appeler création d'une bibliothèque de quartier. D'abord, ça correspond mieux à ce qui va se passer et ensuite, ça permettra accessoirement d'obtenir une subvention d'un DRAC telle que vient de la présenter M. Vanger. Voilà. Merci. Y a-t-il des souhaits d'intervention, Mme Alquier ? Est-ce qu'on peut donner le son, hein, Mme Alquier ? Merci. Voilà. Simplement, donc, il y a changement de nom, mais j'avais fait la remarque qu'il y avait peut-être le changement de montant, mais puisque ce n'est pas tout à fait le même montant que le montant initial. Mais voilà, c'est un détail technique. Monsieur Soleil. Je n'ai pas de commentaire à faire. De toute façon, dans une autorisation de programme, les montants peuvent bouger. Bien. Fort de ces remarques, y a-t-il d'autres souhaits d'intervention ? Y a-t-il des votes contre, des abstentions à l'unanimité? Merci. Alors, nous allons basculer dans le petit monde de la vidéoprotection avec non pas une délibération, mais un point d'information sur le schéma directeur de la vidéoprotection urbaine 2022-2024 de la communauté d'agglomération de Versailles-Grand Parc. Je laisse M. Konsdorf introduire le sujet. Alors bonsoir à tous. Alors je vais pas revenir sur l'historique en fait du centre de supervision urbain pour simplement reconnaître comme tout à chacun en fait et notamment les administrés qu'il s'agit d'un outil extrêmement performant. Il assure trois fonctions majeures, un rôle de supervision urbain comme son nom l'indique avec des caméras qui sont installées dans l'ensemble de la ville, un rôle de gestion domotique, de gestion des alarmes. De vidéoportier et également de prise en charge des appels des administrés. Donc cette dernière fonction est également très appréciée. Et enfin un rôle de transmission d'informations et de liaison avec la police municipale et la police nationale et donc de soutien dans le maintien de l'ordre dans la commune. Alors ce système a atteint en fait sa maturité sur la commune et est exemplaire à plus d'un titre, notamment pour les communes limitrophes. Et dans ce contexte, en fait, nous souhaitons aujourd'hui procéder à un rapprochement avec Versailles Grand Parc pour des raisons à la fois économiques et aussi de mutualisation d'une certaine forme d'expertise qu'on a acquis en fait au fil des années. Alors, pour la partie, je dirais, économique, les communes qui sont incluses dans le périmètre d'intérêt communautaire peuvent bénéficier en fait de la part de VGP de En gros, je vais résumer, de 600 000 euros tous les deux ans pour pouvoir continuer à étendre en fait le système de vidéoprotection, alors même que, on le sait, la commune a des contraintes budgétaires qui sont fortes. Donc ça, c'est le premier point qui est intéressant, c'est-à-dire que on va pouvoir continuer à développer en fait notre système de supervision urbain dans ce cadre-là, alors même qu'on ne pourrait pas forcément le faire. Si on était resté, je dirais, autonome sur le sujet. Ce qui est intéressant également, c'est que VGP va assurer la maintenance en fait de ce système, et c'est encore un coût qui est amoindri par rapport à ce qui était, enfin, ce qui existe aujourd'hui. Et puis, il s'agit également de mutualiser un certain nombre de technologies que VGP pourra mettre à notre disposition, notamment des outils qui permettent de visualisation, de gestion en fait des images qui permettent en cas de demande de la police notamment d'accélérer en fait le visionnage des images et de pouvoir les transmettre plus rapidement. Voilà, c'est à peu près tout sur le système d'information, sur l'information que je voulais donner ce soir. Alors, merci beaucoup, Monsieur Konsdorf. Je vais compléter pour quand même apporter un éclairage politique à ce sujet. D'abord parce que je crois avoir été interpellé en conseil par Madame Alquier de manière tout à fait légitime. Donc, ce point d'information, il est fait pour partager le contenu du schéma directeur qui a été voté en communauté d'agglomération. Je refais un peu de politique parce que nous disposons d'un très bel outil, mais c'est un outil qui a été construit tout seul. Les sujets de vidéoprotection ne s'arrêtent pas à la frontière de nos communes, ni d'ailleurs à la frontière de nos communautés d'agglomération, mais je crois que si, maintenant que nous sommes partie intégrante et puis pas la plus petite des communes de la communauté d'agglomération, continuer à faire vivre un système de vidéoprotection en solo me paraît difficile à porter politiquement. Je fais partie de ceux qui pensent que la mutualisation des moyens est quelque chose d'important, c'est sans doute une source d'économie, et que en la matière,
la communauté d'agglomération de Versailles Grand Parc a encore beaucoup à faire. On a mis très peu de choses en commun. Je parle des 19 villes. Et dans les choses qui peuvent utilement être mises en commun, il me semble que la vidéoprotection fait partie de ces sujets. Et comme l'a dit Christophe Consdorff, on arrive à un moment en termes de maturité et donc de développement d'investissement à venir où on est à une bifurcation, soit on continue à la jouer solo. On peut, hein. On peut, mais on portera sur fonds propres et à la vitesse à laquelle on peut les développements d'un système qui restera un système autonome, un peu en autarcie. Soit on profite de cette étape pour se rebrancher, alors c'est pas complètement simple, techniquement en tout cas, mais de se rebrancher avec les autres CSU et de construire à la vitesse à laquelle on pourra un système communautaire à l'échelle du territoire et ce qui correspond, je parle sous le contrôle de M. Berthomé, à la réalité de ce que les forces de l'ordre, qu'elles soient municipales ou nationales, ont à gérer. Voilà, donc c'est un peu ça le pari que je fais, parce qu'il y a une forme de pari. C'est un pari qui a été plutôt bien accueilli par l'ensemble de nos collègues maires des autres communes de l'agglomération. Et donc, on est parfaitement conscient qu'on amène un bel objet qui est plutôt en avance, à la fois techniquement et en termes de moyens humains, puisqu'on est le seul CSU à tourner 7 sur 7. Voilà, et donc pour répondre à d'éventuelles inquiétudes, il n'est pas question de renoncer à ça. L'idée, si je projette un petit peu ce que j'ai en tête et ce que j'ai partagé avec un certain nombre des collègues de ce qu'on appelle le secteur nord de VGP, c'est que demain viennent s'agréger petit à petit des communes telles que La Celle-Saint-Cloud, Bougival, Bailly, Noisy, qui aujourd'hui n'ont pas de CSU, qui pour certaines ont des polices municipales, pour d'autres n'en ont pas, et qu'elles viennent se brancher sur un CSU qui sera un CSU nord VGP, sur lequel nous ne renoncerions en rien aux fonctionnalités actuelles du CSU tel que vous le connaissez, à la fois pour les prestations de sécurité, mais aussi pour ce que j'appelle de manière un peu simpliste la domotique. Donc l'idée c'est de ne renoncer en rien, mais de permettre demain d'offrir des services que les communes voisines ne pourront pas se payer seules, que VGP ne pourra pas leur offrir parce que les autres CSU sont à Bois d'Arcy, Vélizy, Versailles, et donc assez naturellement en termes de géographie, c'est plutôt nous qui devons servir de support demain à ces communes, et que ces communes viennent y adjoindre en tant que de besoin, des moyens humains. Les moyens humains, il ne s'agit pas de doubler les postes et d'avoir 2 personnes en 7 sur 7, mais il y a certains moments où aujourd'hui, déjà pour nous, n'avoir qu'une paire d'yeux devant le mur d'écran qu'on a, c'est un peu limite. On ne peut pas demander à un opérateur, si brillant et dévoué soit-il, d'absorber toutes les informations à certaines périodes de la journée, on le sait. Et donc l'idée demain, c'est qu'on étende effectivement le mur d'image, on vienne y brancher un certain nombre de caméras existantes sur les autres communes, et qu'on y rajoute les moyens humains pertinents au moment de la journée où ça sera pertinent, et avec l'appui des communes voisines. C'est aussi simple que ça, ça n'a rien de révolutionnaire, mais par rapport aux inquiétudes que j'ai pu entendre, que je veux lever, il ne s'agit pas en rentrant dans un système intercommunal qu'on renonce à ce qu'on a déjà. On l'a dit, on l'a redit, et on prendra le temps de bien vérifier dans la convention qu'on passe avec VGP, qui passera évidemment au conseil municipal, que ces éléments-là seront bien pris en compte. Voilà. Sans attendre, Madame Alquier, je vous passe la parole et d'autres si vous le souhaitez. Merci. Vous avez très justement rappelé qu'on avait l'un des CSU les meilleurs d'Île-de-France, donc c'est bien de le reconnaître. Et vous avez rappelé tous les avantages que nous avions. Alors, nous comprenons bien l'intérêt de la mutualisation, des investissements en équipement et en infrastructure, et puis la maintenance associée au niveau de Versailles Grand Parc. Mais nous restons inquiets, malgré votre bonne volonté, on va dire, pour ne pas dire choqués quand même par la légèreté de cette délibération. Nous dénonçons la méthode, nous ne sommes pas vraiment surpris parce qu'elle est habituelle, mais vous avez décidé tout seul. Et on a appris par hasard, en consultant le compte-rendu du conseil communautaire de VGP en février, que vous aviez décidé de transférer la vidéosurveillance de VGP. Il me semble que c'est un sujet extrêmement important pour la ville et que nous aurions dû être consultés en tant qu'élus de cette commune. Et aujourd'hui, vous vous contentez de nous présenter la délibération de VGP et le schéma directeur 2022-2024 pour développer la fibre. De notre point de vue, franchement, aucun dossier sérieux n'a été construit. Il n'y a rien sur l'aspect financier. Vous dites que ça coûte, mais combien, on ne sait pas. Soyons sérieux. D'abord, c'est non mais alors attendez parce alors, que c'est pas il faut des chiffres. Excusez-moi. Je vous en prie, terminez, madame. Voilà, ça serait gentil. Merci. Où en est-on aujourd'hui? Les investissements sont-ils amortis? Quel est le coût du CSU aujourd'hui? Est-ce qu'on a des statistiques sur les opérations? On va dire qu'on a
excusez-moi, mais on n'a rien, on va dire. Hein. Donc, rien sur les conditions de transfert. Vous avez une bonne volonté, mais rien sur les conditions de transfert, rien de concret. Rien sur les principes d'organisation et les modalités de mise en œuvre avec les fonctionnalités que nous avons aujourd'hui dans le système actuel de VGP. Vous venez de dire que ce n'était pas le même, effectivement, on n'a pas le même système. Nous avons un système performant avec une visualisation directe 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, qui fonctionne très bien. Et ce n'est visiblement pas le cas de VGP, puisqu'il reconnaît dans le dossier un manque d'efficacité et de coordination avec les forces de police. Donc, ça n'est pas pour nous rassurer. Il y a 262 caméras au Chesnay ou au Concours. Il y en a 201 à Versailles. Donc, c'est clair qu'on est au-dessus. Voilà. Alors, donc, on rappelle effectivement les autres fonctionnalités, hein, la surveillance que vous avez rappelée, mais y compris l'accompagnement des Chesnay Courtois et la sécurisation des déplacements. Donc, voilà. Je suis pas sûre que VGP soit prêt à faire toutes ces fonctionnalités. Donc, nous défendons vraiment l'intérêt des Chesnay Courtois. Et pour nous, c'est un vrai dossier qu'il faut travailler et avoir des certitudes et pas partir un petit peu... voilà, parce qu'une fois qu'on a voté, bah, c'est trop tard. Hein, après, vogue la galère. Voilà, enfin, je ne dis pas que vous vous défendrez pas, mais je ne suis pas sûre qu'on arrive à ce qu'on veut. Et alors, je comprends la logique de recherche de financement, mais elle n'est pas suffisante. Pour nous, c'est vraiment l'intérêt des Chesnay Courtois et le niveau de service qui doivent guider la décision. Alors, peut-être que vous avez voulu prendre une opportunité puisqu'il y a eu un vote à VGP, mais c'est quand même un peu court. Et quelque part, nous perdons quand même la maîtrise du CSU, puisque ça devient c'est sous la responsabilité de Versailles Grand Parc, c'est ce qui est écrit dans le dossier de VGP. Hein. Et donc, il faut vraiment que nous soyons assurés de pouvoir conserver le niveau de service que nous avons aujourd'hui. Vous venez de dire que le système allait être étendu à Bailly, Noisy, La Celle, Saint-Cloud, Bougival. Ce sont nos amis. Mais ça veut dire d'autres investissements, un autre CSU qui va peut-être se déplacer. Enfin, voilà. On rentre dans une autre logique et on part un petit peu, je dirais, un petit peu dans le bleu. Pour nous, il aurait fallu une vraie réflexion et une perspective sur le sujet. Mais nous voterons pour, car nous sommes d'accord, pour la mutualisation de ces moyens. Alors, petit A, sauf erreur de ma part, vous êtes représenté à VGP. Enfin, le vote à VGP, ce n'est pas le maire dans son coin qui l'a décidé, c'est le conseil communautaire. Il me semble qu'il y a des élus autres que moi, et il y a au moins un représentant de l'opposition. Donc, ce n'était pas secret défense. L'info, elle était partagée. L'ordre du jour, il est connu. Il n'y a rien de mystérieux. Je repartageais parce que... À vous écouter, ça donne un peu l'impression que la décision était prise. Quand on vote au conseil municipal, en haut à droite du bulletin, il y a des conseillers communautaires. C'est typiquement pour ce genre de sujet. Donc ça, c'est pour le partage de l'information, pour qu'on ne fasse pas de mauvais procès. Voilà. Sur les sujets que vous évoquez, il y a plein de sujets qui ne sont pas de sujets. Le dimensionnement en 7 sur 7 du CSU, il est à notre main. Et je l'ai redit dans le descriptif de ce que sera l'armement humain du CSU, c'est les communes qui seront branchés là-dessus, qui décideront. C'est juste du budget de fonctionnement. Donc voilà, c'est pas VGP qui va décider demain qu'on passera en 5 sur 7 ou en 7 sur 7. Si on veut dès à présent mettre doubler tous les postes, on le décide ici et on le fait et on continuera à le faire demain. La bascule, elle est essentiellement en termes d'investissement. Voilà, donc soit on embarque à bord des moyens que VGP met pour déployer la vidéosurveillance sur l'ensemble du territoire. Christophe Consorf l'a dit, hein, c'est 20 euros par habitant, on est 30 000, je vous laisse faire la multiplication, mais il vous l'a fait pour vous. Donc soit on embarque dans ce vaisseau et on se fait accompagner sur des investissements, soit on continue à les porter en interne et on les vote à chaque budget. C'est des moyens qu'on consacre à ça, qu'on les consacre pas à d'autres investissements, et on y va à un rythme qui est moins soutenu que ce que nous propose VGP. Donc on peut se dire que c'est dangereux, que c'est très inquiétant, etc. Et ou bien on fait ce pari-là, mais je le redis, c'est essentiellement sur le développement du réseau. Vous parliez des caméras, la mutualisation, on ne va pas déposer des caméras du Chesnay pour les donner à Versailles. Dans la présentation que vous faites, on a l'impression qu'on va nous faucher nos caméras. Je réponds. Je vous donne mon ressenti, mais ça vous arrive jamais de me caricaturer, Madame Alquier. Je redis juste, à un moment, le patrimoine de caméras qu'on a, il est là. C'est très bien, on peut s'en féliciter, etc. Mais la mutualisation ne met en rien en péril l'existant.
C'est une, pas une question de caméra, c'est une question d'organisation. Et de tout à l'heure, dans votre propos, vous avez auquel caméra? Je me permets de rebondir sur ce que vous avez dit. Parce qu'on est mieux équipé que VGP. D'accord, très bien. Eh bien, nous, on veut continuer à poursuivre mais l'amélioration. Nous aussi, voilà. Nous aussi, nous sommes d'accord sur la mutualisation, mais pas sur la façon dont est traité le dossier. D'accord, mais enfin, pour l'instant, je peux vous assurer qu'on est en retard de rien parce que VGP n'est pas beaucoup plus en avance que nous. On a acté un principe. De temps en temps, politique, il faut acter des principes. Et VGP n'était pas sûr que la nouvelle équipe ait changé d'avis par rapport à l'équipe précédente, qui était un peu en mode autarcique. Donc, il a fallu partager ça, prendre acte du fait qu'on était OK pour faire la suite avec eux, et la suite, on va la construire avec eux et avec vous. Parce que je rappelle que vous aurez toujours des représentants en VGP, donc on va pas faire ça. On laisse pas les clés du CSU en disant on s'en va, c'est à vous. Ça marche pas comme ça. Et là non plus, je veux pas qu'on caricature. Pour l'instant, le CSU, il est à nous. Le CSU, demain, intercommunal, s'il voit le jour, il restera sur la commune du Chêne-Rocoucourt. Ça a été acté. Voilà, je vous le dis. Alors, vous dire où, ça c'est autre chose, il va falloir trouver quelques surfaces, mais évidemment, symboliquement, je vais pas laisser le CSU nord VGP aller sur notre commune. C'est ça, si vous aviez un doute, soyez rassurés là-dessus. Pour autant, à l'heure où je vous parle, je ne peux pas vous dire dans quel bâtiment il va être, parce qu'il va falloir trouver une pièce un peu plus importante, et donc on va travailler avec VGP sur le bon endroit. Après, derrière, sur le nombre de personnes qui travailleront dans CSU, et sur un sujet qui est important que vous avez évoqué, qui est la question de l'articulation avec les polices municipales. On a la chance aujourd'hui, parce que ça fait des années que ce tandem fonctionne, d'avoir un tandem CSU-police municipale qui fonctionne bien. C'est fragile. Voilà, demain, il n'est évidemment pas question que ce tandem se dégrade. Ce que je ne peux pas vous dire après-demain, quand le CSU sera intercommunal, si l'articulation entre les équipes du CSU intercommunal et la PM de Bougival va fonctionner ou pas, j'en sais rien. C'est le pari. Parce que Bougival est aujourd'hui la seule commune du territoire que j'évoque qui a une police municipale conséquente. Les autres communes n'en ont quasiment pas. Donc le sujet de l'articulation entre les PM, il y a finalement que la commune de Bougival qui va avoir à le régler. Et donc c'est un travail, mais qui est un travail essentiellement managérial, avec les équipes qui seront au CSU, qui auront à gérer, notamment le soir, parce que c'est là que c'est un peu sensible, deux flottes de PM, chacune sur leur territoire, puisque les PM, pour l'instant, il n'est pas prévu de les mutualiser. La loi ne le permet pas. Donc voilà, c'est un exercice qui se fait dans d'autres communes. Mais à la fois, on peut en être inquiet, mais franchement, à l'heure où on vous parle, si nous n'avons pas évoqué les sujets que vous partagez, c'est parce que ce n'est pas des sujets. Il est hors de question de dégrader ce que nous faisons. Il est hors de question que VGP, et je ne vois pas d'ailleurs quelle serait sa valeur ajoutée, intervienne dans l'articulation entre le CSU et la PM. Le sujet pourrait en être un si on avait décidé, parce que le cadre légal le permettait, de mutualiser nos polices municipales. Dans quel cas, on pourrait se dire, là, effectivement, demain, comment ça... Mais ce n'est pas le cas. C'est pas le cas. Donc, on est vraiment essentiellement sur la capacité à porter du développement technique, à faire grandir et à effacer les frontières. Hein. Je le redis, aujourd'hui, on a même pas un droit de suite vidéo sur les gens qui commettent un délit et qui partent sur la RD 307 et qui filent à Baïnoisie. Nos caméras s'arrêtent. Demain, si on arrive à connecter, notre PM ne pourra pas les suivre sur la RD 307, mais on pourra aider la police nationale et on aura un droit de suite. Et après-demain, parce que techniquement, ce n'est pas complètement simple, on pourra imaginer une mutualisation entre les quatre CSU et avoir une vraie couverture vidéo complète qui permettra principalement à la police nationale, puisque c'est la BAC qui intervient à grande échelle sur le territoire, d'être plus réactive. Mais aujourd'hui, ce n'est pas du tout le cas. Et dans les, entre guillemets, petits reproches que nous fait la police nationale, c'est les points d'entrée sur le territoire pour permettre de réagir vite. Hein. Je redis que la réalité, la nuit, c'est que ce sont essentiellement les polices municipales qui sont présentes sur le territoire. Pour des raisons que vous comprendrez, je ne détaillerai pas les moyens que la police nationale peut mettre en œuvre, mais ils ne sont malheureusement pas aussi importants que ceux qu'on met. Sauf que c'est eux qui ont le droit de suite. Donc il faut qu'on les aide, et une manière de les aider efficacement, c'est d'arriver à faire dialoguer aujourd'hui les outils qu'on a. Il se trouve qu'on a un beau CSU, mais qui est très autonome. Donc demain, l'enjeu, en s'inscrivant, je le dis comme ça, dans un schéma directeur qui est à construire, parce que je ne cache rien, si tout était écrit, etc., on partage l'info. C'est vraiment à construire, ça va pas être complètement simple techniquement, mais l'ambition, c'est que dans 10 ans, tous ces CSU dialoguent complètement entre eux. Alors peut-être qu'on aura une super salle de supervision quelque part, etc., mais là, on est dans des horizons de temps qui m'échappent un petit peu, mais c'est vers ça qu'on tend, d'avoir des outils qui permettent aux forces de l'ordre, et je ne sais pas non plus quelle sera l'évolution de la loi, peut-être que demain, les polices municipales se seront intercommunalisées, on peut l'imaginer. Peut-être que l'interaction et les modes opératoires entre la police nationale et les polices municipales se seront eux aussi mutualisés. J'en sais rien. Ce qui est sûr, c'est que demain, si on veut que ces gens-là bossent bien et nous protègent collectivement, pas que les Chêne-et-Courtois, tous les habitants de l'agglo, il faut qu'on imagine aujourd'hui des outils qui permettront d'être efficaces demain. Voilà. Et donc, si on reste
à l'échelle de la commune. On aura un bel outil, mais qui sera un outil communal et dont je ne suis pas sûr qu'on soit capable de mettre les moyens financiers pour accompagner les évolutions technologiques. Parce qu'aujourd'hui, les standards ont beaucoup évolué, donc il y a des moyens financiers importants à mettre sur la table. Et je pense que l'agglo est plus en capacité que chacune des communes de faire cet effort financier. Ben, l'agglo est effectivement en principe en capacité, mais moi je ne regrette pas que nous ayons été solo, comme vous dites, car c'est ce qui nous a permis de faire un CSU extrêmement performant et beaucoup plus performant que ce que fait VGP aujourd'hui. Et je pense qu'on a été plus rapide et plus performant. Donc ne regrettons pas notre position et essayons de la maintenir. Est-ce que j'ai regretté un seul instant ce qui avait été fait sur le sujet? Vous avez l'air de nous reprocher d'avoir fait ça tout seul, heureusement. Vous me reprochez dans la caricature, là vous êtes dans une interprétation. Non, vous avez dit. À aucun moment je n'exprimais de regret. À aucun moment. Voilà, et en l'occurrence sur le sujet, ce que je vous invite à faire, c'est quand même à vous tourner vers l'avenir. Je le redis, on peut refaire l'histoire, mais le sujet c'est qu'aujourd'hui, la réalité c'est que le CSU physiquement est dans un écrin trop petit et qu'aujourd'hui les moyens humains qu'on y consacre sont sans doute insuffisant. Donc, si on ne fait rien, il va falloir qu'on se paye nous-mêmes un CSU plus grand, tout seul, et qu'on y mette des moyens humains plus importants, tout seul. C'est parce qu'on vous dit, hein. On vous dit qu'on veut investir aussi avec VGP, mais qu'il faut garder la maîtrise de notre CSU. Et d'ailleurs, je voudrais en profiter aussi pour dire qu'il y a certains quartiers, comme Fausse Repose, etc., dans les conseils du quartier, qui ont bien exprimé leur inquiétude et leur besoin d'éventement de caméras, parce que ce sont aussi des entrées de ville qui sont pas forcément bien couvertes. Ça fait partie des sujets que VGP va travailler en priorité, c'est les entrées de ville. C'est aussi pour ça qu'on préfère embarquer avec eux. Y a-t-il d'autres souhaits d'intervention, Madame Mulger? Oui, merci. Non, effectivement, on s'était également inquiété de ce transfert de compétences, pardon. Donc, effectivement, c'est une bonne chose que les choses aient été éclaircies. Moi, j'ai une question en fait assez simple après tout ce que vous avez expliqué concernant les investissements en fait quand vous parliez d'investissement, donc d'une capacité d'investissement de 600 000 euros tous les deux ans. Là, on parle bien d'investissement en caméra ou en... Parce qu'en fait, ma dernière question, au vu de ce qui a été dit, c'est est-ce que la ville gardera bien la main sur, effectivement, sa politique de vidéoprotection sur la ville? Parce que dans le cadre de Versailles Grand Parc et effectivement l'avant-dernier conseil communautaire, VGP expliquait bien qu'aujourd'hui, l'implantation de leur réseau était essentiellement pour surveillance de déplacement. Ce qui n'est pas du tout le cas de notre ville, et on va pas refaire l'histoire, etc., on l'a assez fait, mais je voudrais être sûr simplement que dans le cadre de cette mutualisation, la ville garde bien la main sur le choix des implantations de caméras, de renouvellement de matériel, etc., etc. Voilà. Alors, les 600 000 euros tous les deux ans doivent permettre en fait d'acheter effectivement des caméras, mais c'est pas ce qui coûte le plus cher. C'est surtout de pouvoir câbler en fait en fibre, etc. Parce que, enfin, comme vous le savez, voilà. Après, sur la politique qu'on mènera, effectivement, la ville aura la possibilité en fait de choisir l'endroit où elle installera ses caméras, puisque c'est ce qu'elle fait aujourd'hui, donc ça va pas changer. Et je dirais même qu'une fois le budget dépassé, on aura aussi la capacité de continuer à investir de manière autonome, bien sûr, plus si on a un besoin ou si on rencontre une vraie nécessité d'installer un dispositif à un endroit ou à un autre. D'accord. Donc, mutualisation au niveau des CSU, ça on l'a bien compris. Bon, et l'avenir semble aller dans le bon sens, hein, on verra, mais l'idée est bonne. Maintenant, c'est effectivement garder la main sur la politique de surveillance, puisqu'on voit bien effectivement en plus les inquiétudes des chaînes Courtois à l'heure actuelle, etc., qu'a relayé Madame Lamalquier. Voilà. Je rebondis juste sur un sujet que vous avez évoqué et qui est important, c'est l'usage. C'est-à-dire qu'à un moment, la caméra, effectivement, au départ, toutes ces caméras dans tous les CSU de France ont été déployées pour des raisons de sécurité urbaine, etc. Les progrès des logiciels et de traitement de données font qu'aujourd'hui, ces caméras peuvent avoir une fonction double, et notamment en matière de surveillance des trafics de flux. Hein. L'intelligence a beaucoup progressé. Donc aujourd'hui, je pense qu'à chaque fois qu'on pose une caméra, il faut la regarder sous un angle double. Et d'ailleurs, ça va peut-être nous amener à hiérarchiser des implantations de caméras quand elles auront cette double fonction, plutôt que d'avoir une fonction exclusivement soit surveillance de flux, soit pure sécurité. Mais c'est vrai qu'on hérite d'une implantation qui a été guidée principalement par des sujets de sécurité urbaine. Peut-être que demain, on va compléter en disant, OK,
on a ça, on va donner la priorité pendant un ou deux ans sur des grands axes, parce que pour tous les sujets qu'on a évoqués dans le SDMU, on a besoin de savoir en temps réel ce qui se passe, et que c'est plus utile. De toute façon, ces caméras peuvent aussi servir, hein, quand il y a des flux, il y a quand même des sujets de sécurité routière, enfin, c'est jamais perdu. Mais on en rediscutera ensemble sur un moment les critères qu'on retiendra pour implanter ces caméras. Alors en fonction, parce que Christophe l'a redit, c'est quand même essentiellement le câblage qui coûte cher, et qu'une fois que la fibre est tirée, c'est pas une caméra qui coûte un prix extrêmement important. Mais je pense que dorénavant, toutes les implantations de caméras, on les regardera sous ce double usage, sécurité et traitement des données de flux de circulation. Voilà. Je ne sais pas si vous avez terminé. Si pas d'autres souhaits d'intervention, je vous propose de passer au vote. Y a-t-il des votes contre ? Non, je ne vous propose de pas passer au vote puisque c'est un point d'information. Donc on reviendra vers vous dès que les projets de convention sont finalisés, donc ne vous inquiétez pas pour répondre à vos inquiétudes. D'un moment, on va y avoir une convention qui va être signée entre la ville et VGP, donc on aura tout le loisir de repartager en conseil municipal, voilà, et communautaire, mais municipal, le contenu de la dite convention, pour vous rassurer. Mais je redis, hein, ce qui a été voté à VGP l'a été avec l'ensemble des représentants de la ville, y compris un membre de l'opposition. Voilà. On approuve rien, mais non, ça non, veut dire. C'est un point d'info. Vous n'êtes en rien associé, voilà, si, ne soyez pas inquiet, c'est un point d'information, c'était pour répondre à l'intervention que vous avez faite lors du dernier conseil. Il n'y a pas de sujet, on reviendra par contre vers vous, là, pour une approbation d'une convention que vous aurez tout le loisir d'examiner et qu'on aura le loisir de partager ensemble. Ça acte quand même le transfert de compétences ou pas, cette idée? Non. Vous êtes sûr, hein? Voilà. Très bien. Voilà. Ce qui va acter les relations, c'est ça que je comprends. C'est une intention. Ensuite, elle doit se traduire par le biais d'une convention. Cette convention, on va l'examiner, on la votera ensemble. Voilà. Donc, il n'y a pas de piège. Voilà. J'ai pas vendu les clés du CSU. Voilà. Monsieur Soleil, nous allons revenir sur Terre avec la constitution d'un groupement de commandes permanent avec le Centre communal d'action sociale du Chesnay-Rocancourt. Ce qu'on vous propose, c'est de valider la constitution d'un groupement de commandes, pour des raisons évidentes de mutualisation, entre la commune et le CCAS, coordonné par la commune, sur les sujets suivants, assurance du patrimoine, matériel de protection incendie et les services de maintenance et de contrôle du matériel incendie. On commence sur ces trois sujets. S'il est nécessaire par la suite d'étendre le périmètre de ce groupement de commandes, on procédera par avenant. Voilà. Y a-t-il des souhaits d'intervention sur cette délibération qui a été présentée et adoptée hier au CCAS dans des termes équivalents? Si pas de souhaits d'intervention, on va passer au vote. Des votes contre, des abstentions à l'unanimité. Merci. Monsieur Soleil, vous conservez la parole pour une garantie d'emprunt sur le projet porté par l'ASA HLM IRP sur la construction de 30 logements au 86-88 rue de Versailles. Voilà, donc IRP sera le bailleur de la résidence sociale numéro 2, celle qu'on va avoir rue de Versailles, sachant que la numéro 1, c'est celle qui est en face de Saint-Jean. On avait déjà acté le principe de cette garantie d'emprunt, mais pour un montant qui était limité à l'époque à 1 800 000. En fait, les travaux sont plus coûteux que ce qui avait été prévu à l'époque. Donc là, ce dont on parle, c'est une garantie d'emprunt pour 2 251 433 euros et 4 centimes, avec deux emprunts distincts, l'un PLAI et l'autre PLAI foncier. Vous avez les montants respectifs. Et sachant que dans la convention, il sera, comme c'est le cas à chaque fois, prévu des attributions prioritaires pour la commune de 6 logements sur les 30. Voilà. Merci Monsieur Soleil. Y a-t-il des souhaits d'intervention sur cette délibération classique, puisque nous la proposons à chaque fois que nous avons un projet de logements sociaux? Je n'en vois pas. Y a-t-il des votes contre? Y a-t-il des abstentions? Ah, l'unanimité, merci. Nous allons maintenant rentrer dans un long tunnel RH. Et donc, je vais passer la parole à M. Ribert pour nous parler de la création du comité social territorial et de la formation spécialisée en matière d'hygiène et de sécurité. M. Ribert, vous avez la parole. Merci, Monsieur le maire. Bonsoir à tous. Donc effectivement, aux prochaines élections professionnelles qui se dérouleront le 8 décembre 2022,
l'organe de représentation aujourd'hui, le CHSCT et le CT, vont être transformés et fusionnés en CST, le Conseil Social Territorial. C'est fait suite à un décret qui a donné les différentes compositions le 10 mai 2021. Il va donc y avoir une représentation après différente qu'on verra dans le point d'après. Ces instances seront créées après le vote de la professionnelle de la fin d'année pour une mise en place au 1er janvier 2021, 2023 pardon. Et dans notre organisation, ça changera peu de choses puisqu'en fait, à l'usage, on fusionne déjà les réunions de CT et de CHSCT. Donc, on est vraiment sur une modification formelle au niveau de notre organisation propre. Voilà, monsieur le maire. Y a-t-il des souhaits d'intervention sur cette délibération qui a également été présentée hier au CA du CCS ? Madame Fauvel peut en témoigner. Si pas de souhaits d'intervention, on va passer au vote. Des votes contre, des abstentions et l'unanimité. Merci. Monsieur Ribert, vous conservez le micro pour nous parler de la composition de ces deux structures. Le son. Ça y est, c'est bon. Donc effectivement, la composition, pour le coup, on va en profiter pour modifier la représentation des différents organes qui composent le CST. Donc il va s'agir de fixer un nombre de représentants titulaires et donc suppléants du personnel dans ces instances, qu'on va fixer à 6 au lieu de 4 actuellement. Il va être proposé également de modifier la représentation de la ville, et il est proposé de passer de 4 à 3. Personnes, 3 titulaires et 3 suppléants. Il est rappelé qu'il apparaît nécessaire de maintenir le recueil de l'avis des représentants de l'employeur de la ville sur tous les dossiers présentés pendant les réunions de ces instances, lorsque les avis sont obligatoires, comme dans le mode de fonctionnement actuel du comité technique et du CHSCT. Ces avis des représentants de l'employeur, comme ceux des représentants du personnel, seront donc recueillis formellement et apparaîtront dans les procès-verbaux de réunion des instances. Enfin, pour la formation spécialisée en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail, il est possible de porter le nombre de représentants suppléants au double du nombre des représentants titulaires. Cependant, vu le nombre déjà de 6 suppléants, il n'est pas opportun de le porter à 12 dans la future composition de cette formation. Il sera donc proposé, il est donc proposé et acté d'ailleurs la semaine dernière en CTCHSCT avec les représentants syndicaux, de maintenir le principe d'un seul représentant suppléant pour chaque représentant titulaire. Y a-t-il des souhaits d'intervention ? Je n'en vois pas. Y a-t-il des votes contre ? Des abstentions à l'unanimité ? Merci. Je vous informe que la délibération qui portait sur la modification des modalités de versement du complément indemnitaire annuel au CIA était retirée de l'ordre du jour. Vous n'avez plus sur votre tablette, mais je me dois de vous le dire. Nous restons toujours dans le secteur des ressources humaines avec une délibération concernant l'indemnisation des agents ayant fait valoir leur droit à la retraite et n'ayant pas pu prendre les jours de fractionnement et les jours de solidarité. Monsieur Ribert. Merci, monsieur le maire. Donc Excusez-moi. Cela fait suite en fait au recours d'un syndicat sur des erreurs passées sur les jours de fractionnement et de solidarité qui n'avaient pas été versés aux agents pendant une longue période. L'année dernière, nous avions acté le principe que les personnes qui étaient encore dans la collectivité pouvaient avoir des jours de fractionnement de récupération, qui étaient au nombre de 6. Évidemment, pour ce qui était des personnes soit en retraite, soit qui sont parties en mobilité, ils n'ont pas la possibilité de récupérer ce manque à gagner finalement en jours. Et donc, il est la seule possibilité, c'est de leur donner des sous en direct, hein, et de les valoriser. Et donc, vous avez le détail. Pour les agents de catégorie A, on est sur 135 euros par jour. Ceux de catégorie B, 90, et catégorie C, 75. Ce qui fait donc un total, pour tout le monde, une charge budgétaire possible de 12 600 euros. Je dis possible puisque ça va être à chaque agent de faire la démarche de venir vers la mairie en demandant le versement de ces sommes. Il est donc proposé à l'Assemblée de mettre en œuvre la solution que je viens de vous expliquer afin d'éviter tout recours contentieux des agents concernés. Il est précisé qu'une délibération concordante est présentée au conseil d'administration du CCS de la ville du Chesnay-Rocancourt avec le même objet. Ce qui a été fait hier. Y a-t-il des souhaits d'intervention sur ce dossier, Madame Bilger ? Non, je voulais simplement m'assurer que c'était conforme à ce qui avait été demandé, en fait. Par les syndicats, par la loi, enfin pour être sûr que ça ne revienne pas une nouvelle fois.
et que le dossier soit purgé une bonne fois pour toutes ou pas? Alors, si la question c'est est-ce que conforme à ce que le syndicat qui nous a au tribunal, la réponse est non, bien sûr. Oui, on ne partage pas complètement la même vision du dossier. Non, pas sur les faits, mais sur l'interprétation, c'est le charme du droit. Hein. Ouais. Et les avocats sont assez doués là-dessus, mais on n'a pas la même vision qu'un certain nombre, en tout cas, de nos partenaires sociaux sur la globalité du sujet. Quoi, cette somme, en fait. Là, c'est vraiment pour traiter le cas particulier des agents qui sont partis, à qui on ne peut techniquement pas rendre de jours. Quand vous êtes à la retraite, c'est un peu compliqué de vous rendre des jours de congé. Voilà le concept. Voilà. Et donc on les a valorisés par souci d'équité. Non, c'est la valorisation en fait, ce qui s'appuie sur le montant. Sur le montant moyen, un peu comme les heures supplémentaires selon les catégories hein, en franchise, et donc de façon à dire voilà, chaque jour dans ces catégories-là représente tel montant. À la question que vous posiez aussi sur le fait que cela clôt le dossier, non. Alors, ça clôt pour la période concernée, c'est-à-dire là maintenant, pour tout le monde, agent qui travaille et agent ayant quitté la collectivité, c'est réglé. Ouais. Par contre, pour les années précédentes, il y a encore un dossier en cours et pour l'instant, les recours en contentieux de la part du syndicat n'est pas complètement terminé. Voilà. Après, la question, est-ce que le dialogue est rompu? La réponse est non. Voilà. Est-ce que le dialogue est simple? Pas toujours, mais le dialogue n'est pas rompu. Donc, on continue à discuter de ce que j'ai pu capter des signaux de nos partenaires. Il y a une volonté de poursuivre le dialogue. Voilà, on verra in fine comment nos conseils nous invitent à converger. Et voilà, c'est un dossier compliqué dont on hérite. Là aussi, je refais pas l'histoire, mais à un moment, il y a en la matière de la jurisprudence. Et donc, de part et d'autre, on s'appuie là-dessus, chacun étant à sa place. Ce qu'on a essayé de faire, c'est de corriger ce qui pouvait être corrigé dans l'immédiat. Après, l'antériorité du dossier fait que les enjeux ne sont pas complètement anodins. Madame Ockringer. Merci. Vous dites effectivement que c'est les agents qui ont quitté la collectivité, enfin qui sont maintenant à la retraite, c'est à eux de faire la démarche pour venir effectivement récupérer la somme qui leur est due. Combien de temps ils ont pour faire cette démarche? Est-ce que c'est cadré dans le temps ou pas? Avis. D'accord. Avis. Ok. Merci. Plus on peut pas. Effectivement. Y a-t-il des sur les délais, bien sûr. Y a-t-il d'autres souhaits d'intervention? Je n'en vois pas. Y a-t-il des votes contre? Des abstentions? À l'unanimité, merci. Monsieur Ribert, vous conservez la parole pour le maintenant traditionnel, les modifications sur le tableau des emplois et des effectifs. Je vous rends le micro. Merci. Donc, pour cette fois-ci, nous avons trois modifications. La première concerne la création d'un emploi de bibliothécaire principal. En effet, il s'agit de créer un emploi de bibliothécaire pour exercer les fonctions de directeur ou directrice de la bibliothèque, puisque le directeur actuel, titulaire du grade de bibliothécaire, a décidé de prendre une disponibilité pour convenance personnelle à partir du 18 juin prochain. Il doit donc être remplacé. Il n'est pas nécessaire de créer cet emploi au grade de bibliothécaire puisqu'il existe déjà dans le tableau des emplois, mais dans l'incertitude d'un recrutement à venir, il convient de créer l'emploi de bibliothécaire principal, grade qui pourra être détenu par le ou la candidate. Et on rappelle que ces fonctions, évidemment, peuvent être exercées par un titulaire ou un agent contractuel selon les CV que nous recevrons. Point numéro 2, création d'un emploi d'éducateur des activités physiques et sportives. En l'espèce, il s'agit d'un maître nageur sauveteur qui va faire le tuilage avec le départ de quelqu'un qui est prévu. Et vu que c'est une profession sur laquelle il est assez tendu, finalement, de procéder à des recrutements, l'idée, là, on a une opportunité de le recruter plutôt que d'attendre. Je crois que on a 3 mois de tuilage, en fait, avec la personne qui va partir. Mais on risquerait, dans 3 mois, de ne pas trouver de maître nageur sauveteur. Enfin, suppression d'emplois en termes d'un processus de recrutement. Donc, comme on le fait d'habitude, hein, on a recruté des personnes à certains grades et donc on éteint les différents postes, que ce soit emploi de technicien, je ne vais pas vous faire la liste, des différents postes qui sont fermés. Voilà. Merci, monsieur le maire. Je vous en prie. Est-ce qu'il y a des souhaits d'intervention, des compléments d'infos sur ces modifications? Madame Bilger. Je ne sais pas si vous me répondrez parce qu'on est un petit peu hors cadre de la Délib. Non, c'était en fait une question plus générale sur les recrutements qui étaient en cours, notamment au niveau de la direction du 119, de la directrice. Directeur hein, du 119. Enfin, voilà, il y avait quelques recrutements importants. Voilà. Est-ce qu'il y a des nouvelles ou
partager avec nous. Comme à chaque fois qu'un poste est vacant, parfois avec un préavis assez court, on s'emploie à essayer de le pourvoir. Donc pour ce qui est de la direction du FGT, évidemment que nous sommes en recherche. On commence à recevoir des CV qui sont pas complètement en phase avec des CV atypiques, on va dire ça comme ça, mais il y a des candidatures, donc sur des recrutements un peu sensibles comme celui-là, on se laisse un peu de temps pour voir si le marché répond, et puis après le seul levier pour accélérer, c'est de la chasse, mais la chasse, ça coûte cher, voilà, donc on n'appuie pas sur le bouton à chaque fois. Il y a une question d'équilibre entre le laps de temps qu'on accepte pour la vacance, hein. Je rappelle que quand on va chercher des gens de la territoriale, il y a le préavis de 3 mois, donc le temps de recherche plus le temps de libération, ça nous amène en général à des vacances de poste de l'ordre de 6 mois, c'est la réalité de ce qu'on observe, donc voilà, on s'est laissé jusqu'à la fin du mois de juin pour voir si on reçoit des CV, mais qu'on en reçoive suffisamment de qualité pour commencer à entamer un process classique, hein. Ce qu'on a réussi à faire, hein, sur un certain nombre de recrutements, et il y a des moments où on considère que même attendre 15 jours, c'est prendre trop de risques, et donc on part tout de suite en mode chasse. La chasse n'étant, je le rappelle, pas une garantie d'avoir des CV ou des CV de qualité. C'est juste qu'on accélère le process, mais voilà. Donc à chaque fois qu'on a des vacances de poste, on se dépêche d'eux. Sur la bibliothèque, puisque voilà, notre directeur est parti en disponibilité, on est content là d'avoir un numéro 2, en l'occurrence une numéro 2 qui permet d'avoir un temps d'attente un peu plus confortable. Ça reste un temps d'attente. Numéro 2 qui remplace le numéro 1, il a normalement du boulot pour deux, mais il est là un peu pour pallier ce genre de situation. C'est moins vrai en ce moment au FJT, où la directrice adjointe nous avait quitté il y a quelques mois, et où on se retrouve là avec une situation managériale un peu plus compliquée. Et donc, comme on l'a fait sur d'autres services, la direction générale se démultiplie en tant qu'elle le peut pour permettre de passer la phase de recherche de poste dans de bonnes conditions. Après, on n'a pas envie de bâcler et de recruter à la va-vite quelqu'un ou quelqu'une qui serait pas complètement en phase. Donc, c'est des métiers un peu particuliers. Il se trouve que là, en l'occurrence, pour ce qui est du FJT, il y a des réseaux professionnels, il y a donc des structures qui nous permettent de faire de la recherche d'emploi. C'est pas le cas dans tous les métiers. Il y a des endroits où c'est compliqué, il y a des endroits où la tension, je pense à l'informatique sur les métiers, est vraiment compliquée. On est obligé de s'aligner sur des prix de marché si on veut conserver des compétences ou si on veut aller en chercher. Là, on est sur des métiers un peu particuliers, que ce soit bibliothécaire ou directeur, directrice de FJT. C'est des congrégations un peu particulières, donc il faut se laisser un peu de temps, et en tout cas on est actif et vigilant, et on reviendra vers vous comme on l'a été sur le CCAS, comme on l'a été sur les affaires générales, où en se laissant du temps, on a fini par trouver et accueillir des bonnes ressources. Il y a des moments où on va piocher sur des contractuels, donc là on n'a pas le délai de prévenance de 3 mois, ça permet de raccourcir le process, mais sur des métiers classiques de la territoriale, on est quand même plus prudent, et en général on rajoute les 3 mois de prévenance au temps de recherche. Voilà. Donc en fonction de la réalité de ce qu'on a autour du chef de service qui est parti, on se laisse un peu plus de temps ou pas. Madame Alquier. Nous parler de la chef de service d'état civil qui vient d'arriver, si j'ai bien compris, puisque on nous l'a présenté. Donc voilà. Eh bien, alors c'est Madame Antonini, on peut donner son nom. Elle est arrivée il y a 10 jours. 10 jours. Donc elle nous arrive de Nanterre. Hein. C'est quelqu'un qui est dans le métier depuis un certain temps. C'est une juriste de formation. Elle arrive d'une collectivité un peu plus importante que nous, puisque Nanterre est un petit peu plus peuplé que le Chesnay-Roquencourt, mais elle était sur une partie plus réduite, et donc la polyvalence qu'elle peut trouver ici lui a paru intéressante, et son profil de juriste à nous a paru aussi intéressant, parce qu'elle va venir aussi renforcer la collectivité sur des compétences qu'il nous faut parfois aller chercher à l'extérieur, même si son cœur de métier c'est les affaires générales, le cimetière, l'état civil, les élections, tout ce qu'on connaît. Donc là on est content d'avoir recruté une professionnelle expérimentée, mais il nous a fallu un peu de temps pour la trouver et la faire venir. Et la chargée de mission, Laure Denoyer, qui est ici, donc que je vous présente, donc va remplacer progressivement sa voisine de gauche, Flavie Lebouc, qui elle va progressivement piquer le boulot du petit gars qui est au bout à gauche, qui a décidé de monter d'un étage. Donc on est dans une séquence de tuilage. Et par rapport à tout ce qu'on a voté en budget, de temps en temps on a du tuilage négatif, alors c'est
c'est bon pour les finances, mais ça n'est bon que pour les finances et ça n'est en tout cas pas la politique qu'on souhaite suivre. Mais à un moment, on l'a subi. Et de temps en temps, sur des sujets un peu sensibles, on essaie d'anticiper et vous avez physiquement la concrétisation de ce qu'on appelle un pilage positif où on a, même si c'est pas toujours simple, un vrai temps de passage de témoin avec des gens qui ont le temps de transmettre les dossiers, ce qui est un peu plus agréable que quand vous arrivez dans un poste qui est vacant parfois depuis 1 ou 2 ans et où c'est le service qui sert de mémoire et où c'est un peu compliqué de se remettre dans le bain. Alors, ça a un prix, on en est d'accord. Mais en l'occurrence, pour le recrutement lors de Noyer, puisqu'elle nous vient du privé, on n'a pas eu les 3 mois de prévenance. Et pour le coup, entre le moment où on a déclenché la recherche et l'arrivée, il s'est passé 1 mois et demi, 2 mois. Voilà, ce qui est plutôt appréciable sur ce type de poste. Voilà pour l'actualité RH. Monsieur, Juste pour ajouter par rapport à ce que disait Madame Pilger sur les JT, quand même important sur le CCS, c'est qu'on a la nouvelle directrice du CCS qui va arriver à la fin du mois de juin, le 27, qui est d'une grande ville aussi et qui avait un JT. Donc on aura quand même ce support-là dans pas très longtemps, hein, dans 4 semaines, de quelqu'un qui pourra soutenir les équipes du FJT en attendant que le recrutement qui est en cours, soit concrétisé. Tout à fait. Merci. On va quand même voter, à moins qu'on l'ait déjà fait, mais je suis pris d'un doute, c'est ça, sur les modifications de tableau des emplois effectifs. Y a-t-il des votes contre, des abstentions à l'unanimité? Merci. Et nous allons passer sur la dernière délibération RH. Monsieur Ribert, vous avez la parole pour nous parler des modalités de gratification des stagiaires. Merci, monsieur le maire. Donc effectivement, comme vous le savez certainement, toutes les durées de stage supérieures à 2 mois, la loi, effectivement, amène une gratification obligatoire qui est de 3,90 € par heure. Dans la collectivité, il arrive que finalement on a des stagiaires utiles à la collectivité et dont leur expérience est nécessaire, qui restent finalement moins de 2 mois et aujourd'hui nous n'avons pas la possibilité de les rétribuer. Donc il est proposé, et d'ailleurs je note une petite coquille marquée l'avant-dernière ligne, c'est 3,90 € heure par heure, donc c'est évidemment, vous l'avez corrigé, 3,90 € par heure, donc la même rémunération que quand c'est plus long. Le versement de cette gratification ne sera évidemment pas automatique, elle dépendra de l'appréciation portée par l'autorité territoriale sur l'accomplissement du stage, ce qui veut dire que c'est pas parce que quelqu'un va être stagiaire 8 semaines qu'il aura une gratification, mais on se laisse la porte ouverte, si on a vraiment quelqu'un, et 2 mois c'est quand même une période qui peut être longue, et si mutuellement ça s'est bien passé, il n'y a pas de raison qu'on puisse pas lui proposer une rémunération. Merci monsieur le maire. Merci monsieur Ribéry, y a-t-il des souhaits d'intervention sur cette proposition? Donc on redit qu'il n'est pas automatique mais qu'il laisse la porte ouverte. Pas de souhaits d'intervention, des votes contre, des abstentions à l'unanimité. Merci pour les stagiaires méritants qui bénéficieront de cette disposition. Nous allons rentrer dans le monde gourmand de la restauration et madame Parmentier va nous présenter une modification temporaire des règles générales d'organisation de la restauration des personnes âgées et du personnel municipal. Vous avez la parole. Bonsoir, monsieur le maire. Dans le cadre du projet de réhabilitation complète de la résidence des Chênes Verts, il était prévu une refonte complète des locaux destinés à la restauration municipale, tant la cuisine que la salle de restauration. L'abandon du projet de réhabilitation devenu trop coûteux en comparaison avec la solution construction neuve a conduit le CCAS à lancer une rénovation légère des parties communes de la résidence et la remise en état d'une 20aine de studios. La ville qui gère directement la restauration des personnes âgées et du personnel municipal dans les locaux du rez-de-jardin de la résidence des Chênes Verts doit conduire une rénovation légère de la cuisine. Ces travaux visent à remettre en conformité la cuisine aux normes HACCP obligatoires. Les travaux vont commencer le 30 mai 2022 et leur durée devrait être de l'ordre de 6 à 8 semaines. Pendant cette période, la cuisine ne produira donc pas de repas. Afin de conserver un service de restauration pour les seniors et le personnel communal, il sera temporairement fait appel à un prestataire de service pour assurer la fourniture des repas en liaison froide. Ce prestataire, c'est la société Sorest, que l'on connaît pour le compte du CCAS qui fournit les repas de portage à domicile. Donc pendant cette période, l'offre proposée doit donc être simplifiée et c'est pour cette raison que nous délibérons aujourd'hui pour adapter les caractéristiques et les tarifs de services de restauration. L'offre destinée aux personnes âgées n'est pas modifiée. En revanche, l'offre au personnel communal devient temporairement unique.
sur la base d'une formule complète avec les mêmes plats que pour les personnes âgées. C'est un menu à 5 composantes qui s'appelle l'idée du jour et qui est donc maintenu alors que les formules idée du haut et idée de saison sont temporairement abandonnées. Afin de ne pas pénaliser les agents qui ont recours majoritairement aux formules allégées, il est proposé que pendant toute la période de fermeture de la cuisine, ce soit le tarif idée duo et idée de saison, tel qui résulte de la délibération du 18 décembre 2012, qui soit appliqué. Ça veut dire, je vous explique en 2 secondes, que le personnel qui a acheté des tickets pour les idées duo et idées de saison pourront les utiliser pour la formule complète. À la rentrée 2022, alors on parle de la rentrée de septembre, seront proposées au personnel de nouvelles formules de restauration qui sont en cours de réflexion, en concertation avec les représentants du personnel, et qui seront présentées au conseil municipal de juillet 2022, donc le 6, il me semble. Ce sera également l'occasion de revoir les catégories tarifaires qui ne correspondent plus avec les seuils d'échelon existants dans la fonction publique territoriale, mais également une révision tarifaire car les tarifs n'ont pas été réexaminés depuis 2013. Enfin, ce sera également le moment de revoir le mode de facturation car le système actuel de billetterie est totalement obsolète. Merci Madame Parmentier. Vous les avez tous éteints là, ils sont à jour de cotisation. Des souhaits d'intervention sur les menus, les règles d'accès, carte d'abonnement, très bien. Des votes contre, des abstentions à l'unanimité, merci beaucoup. On va passer au marché forain avec le choix du délégataire et l'adoption du cahier des charges. La parole est à Monsieur Sévely, mais qui a déjà le micro en main. Merci Monsieur le maire. Donc comme vous le savez, le marché forain situé rue des Deux Frères fait l'objet d'une délégation de service public. Or cette délégation arrivait à échéance le 31 mai 2022. Donc nous avions déjà délibéré le 19 janvier pour poursuivre cette délégation de service public. Sous la forme d'un affermage en envoyant un avis de consultation, l'équivalent d'un appel d'offres. Seule la société L'Oiseau Marché a répondu à cet avis de consultation dans des conditions très proches de celles précédemment en vigueur. Donc il s'agit d'une redevance forfaitaire de 14 500 euros avec un intéressement pour la ville au résultat brut d'exploitation à 50%. Donc sur cette base, il est proposé à l'Assemblée de déléguer à la société L'Oiseau Marché le service public pour la gestion du marché forain pour une durée de 18 mois et d'approuver le cahier des charges joint à la résolution. Merci beaucoup Monsieur Sévely. Y a-t-il des souhaits d'intervention sur cette délibération? Je guette des mains, je n'en vois pas. On va passer au vote. Y a-t-il des votes contre? Des abstentions à l'unanimité. Merci. Délibération suivante concerne proposition de gratuité d'activité municipale pour les enfants mineurs des étrangers bénéficiant d'une autorisation provisoire de séjour portant la mention bénéficiaire de la protection temporaire ou en attente de son obtention. Je passe sans attendre la parole à Madame Charpentier. Merci Monsieur le maire. Depuis le 24 février 2022, il y a 3 mois, jour pour jour, le conflit en Ukraine a provoqué la fuite de plus de 4 millions de réfugiés. Pour rappel, l'asile est la protection accordée par un État à un étranger qui risque sa vie dans son pays. Il existe 2 formes de protection par l'asile, le statut de réfugié et la protection subsidiaire accordée par l'OFPRA, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. Le dispositif de protection temporaire est un dispositif particulier décidé au niveau européen lors d'afflux massifs de personnes déplacées fuyant leur pays en guerre, ressortissants de pays qui ne sont pas membres de l'Union européenne. Ce dispositif exceptionnel et temporaire est autorisé par une décision du Conseil de l'Union européenne pour une période d'un an, pouvant être prolongée de 2 ans maximum. Le Conseil peut à tout moment y mettre fin si la situation dans le pays d'origine permet un retour sûr et durable des personnes déplacées. Dans le contexte actuel, l'Union européenne a décidé d'activer la protection temporaire pour l'Ukraine le 4 mars 2022. Sur le sol français, le bénéficiaire de la protection temporaire se voit remettre une autorisation provisoire de séjour sur notre territoire national d'une durée de 6 mois, portant la mention bénéficiaire de la protection temporaire. Ce dispositif s'accompagne d'un certain nombre de droits soumis à conditions.
allocation, aide personnalisée au logement, assurance maladie, accès au travail, à un hébergement, demande d'asile, accès à la scolarité, etc. Manifestation de la solidarité nationale. Par ailleurs, les enfants de 0 à 3 ans déplacés d'Ukraine bénéficient depuis début avril d'un accueil gratuit au sein des crèches sur les places vacantes dans les établissements financés par la CAF au titre de la prestation de service unique. Au Chênaire au concours, actuellement 7 écoles primaires publiques accueillent des élèves déplacés d'Ukraine, soit 10 enfants en tout. Aucune demande n'a été formulée en revanche au sein d'un établissement d'accueil du jeune enfant de la commune. Pour les activités périscolaires et extrascolaires communales, l'idée est d'alléger le quotidien des familles déplacées, de leur permettre de disposer du temps nécessaire à la réalisation de toutes les démarches administratives, tout en favorisant pour les enfants le lien social et leur intégration par la pratique du français. Il nous paraît donc évident de proposer à ces familles la gratuité tarifaire dans la mesure où elles ne disposent pas de ressources suffisantes. Dans ce contexte, il est proposé au conseil municipal d'instaurer pour les enfants mineurs des étrangers résidant sur la commune du Chênaire au concours qui bénéficient d'une autorisation provisoire de séjour sur le territoire national portant la mention « bénéficiaire de la protection temporaire » ou en attente de son obtention, la gratuité des activités municipales suivantes pour la période du 4 mars au 31 août 2022, restauration scolaire, accueil périscolaire, accueil de loisirs, séjour d'été, Cap Jeune. Voilà, sport aventure, tout ça. Voilà, monsieur le maire. Merci, madame Charpentier. Je crois avoir compris qu'il y a eu quelques débats en commission sur le sujet, donc je suis tout à fait preneur que ces débats se prolongent pour que je puisse éventuellement apporter mon petit grain de sel sur le sujet, comprendre ce qui a pu motiver certaines prises de position, tout à fait légitimes, puisque les commissions servent à ça. Donc, sans attendre, je passe la parole à Madame Lemenet, qui tend le bras. Merci. Alors, bien entendu, nous voterons cette délibération. Je tiens à le préciser, parce que je crois que c'est notre devoir et notre conscience d'aider tous ces enfants déplacés, qui, en plus, ont subi des traumatismes importants. Voilà. La seule chose, je suis intervenue en commission, un peu en tant que juriste, c'est que c'était la façon juridique, le support juridique que vous avez pris, qui moi m'a un petit peu ennuyée, parce que il existe au sein de la mairie une commission d'arbitrage qui donc étudie tous les dossiers en fonction des personnes, et ceci, quelles que soient les personnes, que ce soit des Chinésiens, que ce soit des qui peuvent être tout d'un coup plongé dans une situation très difficile, et aussi bien des personnes qui viennent d'autres pays étrangers. Voilà. Et je pense que vous avez compris la signification de pour moi de prendre cette délibération officielle qui, sur le principe, est assez universelle, puisqu'elle dit que toutes les personnes bénéficiant d'une protection temporaire ont la gratuité. D'abord, je signale que c'est la première fois qu'on introduit la gratuité, hein. Donc, c'est quand même une notion, un précédent important. Et que s'il y avait d'autres conflits ou d'autres pays, par parallélisme des formes, il faudrait aussi employer une délibération. Voilà. Donc, je pensais qu'il était plus juste, aussi bien. Alors, bien sûr, ce que vivent ces enfants, c'est non, mais c'est l'horreur absolue. Alors, je veux pas faire de comparaison, mais moi, dans le passé, je vais pas vous raconter quand j'étais en poste. J'ai vu des gens aussi d'Afrique qui étaient sous protection temporaire et qui, eux, n'ont pas eu accès ni à la CAF, ni à certaines choses. Et je pense que si on passait par la commission d'arbitrage, ça nécessite que le CCAS prenne en charge donc la gratuité, si vous voulez, on les met au tarif le plus bas, qui est pas un très haut tarif, et que prend en charge la CAF. Et ça impose aussi qu'on prenne en compte toute la situation de ces familles, parce que demain, malheureusement, on sait que le conflit rentre dans quelque chose de long. Donc, il faut connaître bien la situation de ces familles, voir quelle aide qu'on peut apporter, etc. Voilà. Donc, moi, c'était un souci, en fait, d'équité pour tout le monde, parce qu'il y a aussi des Chinésiens qui peuvent se retrouver du jour au lendemain avec un RSA. Et voilà, et qui viendront pas. Et donc, c'est la façon dont vous l'avez libellé qui m'a dérangée. Voilà, je vous le dis franchement. Bien.
Merci de cet éclairage, merci de l'annonce du vote également. Alors je vais recontextualiser, hein, même si vous avez compris quel était le sujet, on a une dizaine d'enfants ukrainiens et l'été approche. Donc je vais le faire un peu cash, un peu binaire. Qu'est-ce qu'on fait? On peut ne rien faire. On sait qu'ils ont... Voilà. Donc on a cherché le véhicule juridique le plus approprié ou le moins inapproprié. Si vous en trouvez un meilleur, on y a passé un peu de temps. Oui, mais le cadre juridique ne nous paraissait pas suffisamment. Enfin, on a passé du temps avec l'administration là-dessus. Et le choix qu'on a fait, c'est celui qu'on vous propose, qui vise à répondre, évidemment, et je rappelle que la délibération, elle est bordée dans le temps. Donc le risque financier et le... Non, non, mais je réponds. Voilà. On a essayé de cadrer le sujet. Le sujet, c'était d'apporter la réponse juridiquement la plus robuste au traitement du passage de l'été pour cette dizaine d'enfants, parce qu'a priori, on ne nous annonce pas l'arrivée de 450 enfants. Voilà. Voilà. Bon. Donc, j'essaie d'apporter. Ben là, c'est encore plus facile parce que ça va être voilà. Et c'est cadré. Donc, c'est une réponse ponctuelle, précise, qui nous paraît nous juridiquement propre, mais c'est discutable, à la situation telle qu'on la connaît aujourd'hui sur le généraux concours. Sur la question de est-ce que demain il y aura plus ou moins de réfugiés, j'entends un peu tout et son contraire. À la fois, et peut-être que Véronique Siadou pourra nous en redire, des annonces de l'éducation nationale d'arrivée d'enfants en plus, et de l'autre côté, on nous explique qu'on a déjà un reflux assez massif, de manière générale, de réfugiés qui repartent vers l'est de l'Europe, parce que, en tout cas dans l'ouest de l'Ukraine, la situation permet à des gens qui étaient partis de revenir. Voilà, donc on va laisser passer l'été pour voir ce qu'on aura à régler. Après, sur l'autre question, pas philosophique, mais pas loin, de la question de la manière dont on traite des réfugiés versus des gens qui sont très en difficulté de manière durable sur dans notre pays, elle est permanente. On a une politique de droit d'asile qui a été rappelée, c'était pas anodin dans le cadre de la délib, qui fait qu'évidemment, on a un traitement d'exception par rapport à des situations d'urgence et qui peut donner un sentiment d'inéquité de traitement par rapport à des gens qui sont dans une situation très difficile. Je rappelle qu'on a des gens qui sont à la rue en France. Voilà. Et donc, évidemment, à chaque fois qu'on aide un réfugié qui arrive et qui a rien, on est fondé à se dire, OK, pourquoi on ne file pas au SDF qui est là depuis longtemps? Voilà. Bon, ça, c'est des questions qui dépassent un peu le cadre du conseil municipal. Le choix qui a été fait dans notre pays, c'est de conserver une partie de nos moyens pour venir en aide à des réfugiés qui tapent à la porte de ce pays depuis que ce pays existe sous la forme que vous lui connaissez. Voilà. Ça ne veut pas dire qu'on ne fait pas rien pour les gens qui sont en situation difficile et qu'on ne fait pas rien pour les SDF. Mais il y a des canaux différents, il y a des moyens différents. Donc, je pense qu'à un moment, à chaque fois qu'on a cette question, on se la repose individuellement, mais en tout cas, dans cette assemblée, il faut se redire que, voilà, on fait des choses, on fait pas mal de choses pour les gens qui sont en aide. Et donc, on n'oublie pas, par rapport aux personnes que vous évoquez, aux chaînes et contrats qui sont en difficulté, le CCAS, les traites, les aides, etc. Et donc, on ne prend pas de l'argent de cette partie-là pour le donner aux autres. Mais je crois que c'est important de redire que tant qu'on est, et on peut considérer que jusqu'à la fin de l'été, on est dans cette forme d'urgence, on a une responsabilité collective à essayer de faire nos meilleurs efforts pour traiter l'urgence des réfugiés. Après, passer un certain laps de temps, ils vont être régularisés, traités, rentrer dans un système un peu plus de droit commun, et ces sujets vont s'atténuer. Moi, ce que m'a dit Violaine, c'est que on n'avait pas le temps. Entre une commission d'arbitrage, enfin pour y avoir siégé, c'est quand même assez rapide. Est-ce que je voulais dire par là, c'est que déjà que ces familles puissent aussi passer par l'assistante sociale, parce que on ne sait pas si cette situation va perdurer, permettrait qu'on ne soit pas dans cette situation d'urgence, parce que prendre leurs enfants, c'est très bien, mais qu'est-ce qui va se passer au mois de septembre, au mois d'octobre, au mois de novembre? Vous dites on va les régulariser, donc ils seront traités comme les autres. Madame Le Ménet, prenez un micro pour que voilà, notre... Excusez-moi. C'est pas bon, je vous entends. Non, mais je pensais tout simplement que quand on a des systèmes d'exception comme ça, créent souvent une difficulté, une compréhension qu'on pouvait simplement éviter. Mais sur le bien fondé de cette délibération, je la partage, mais alors là, à 100%, vous voyez. Bon, mais alors, c'est tout, mais c'est un point juridique. Pour le coup, ça me rassure, mais ça veut dire... Je préfère vous signaler. En termes de compréhension, je ne crois pas qu'il y ait de sujet sur la compréhension, et on partage, le conseil municipal est très transparent, et donc toute la population qui pourrait s'interroger. Alors, je rappelle d'abord que la commission d'arbitrage que vous évoquez, elle n'a pas été reconstituée depuis qu'on a été élu. Donc, c'est bien dommage. Non, mais c'est peut-être bien dommage, mais en tout cas, à cet instant-là, on n'a pas l'outil dans la main.
et comme vous l'a dit Madame Charpentier en commission, le sujet c'est d'aller relativement vite et je voilà, pense que là... Monsieur le maire, là vous soulevez un point quand même important, excusez-moi je soulève souvent des points importants Madame. Non. Oui, vous soulevez un point important. Si vous me dites que vous n'avez pas reconstitué la commission d'arbitrage, ça veut dire qu'on statuait sur des familles qui avaient un problème particulier et qui ne pouvaient pas payer la cantine, etc. Donc ça veut dire, vous me dites qu'on les aide, ben non, ça veut dire que ces familles-là ne peuvent pas venir à la mairie et dire je voudrais un autre tarif. Or, très souvent... Elles sont accueillies par le CCS, c'est juste que pour l'instant, il n'y a pas eu de demande et on n'a pas créé la commission. Enfin, en tout cas, là, je ne veux pas qu'on mélange le sujet. Le, sujet de la délibération, c'est de trouver le moyen de traiter la situation pour l'instant d'une dizaine d'enfants pour passer l'été. Donc, voilà. Mais moi, ce que je ne voudrais pas, c'est qu'on puisse penser que le Chenef favorise aussi quand il y aura d'autres conflits. Voilà. C'est vous juste savez, ce que je voulais vous dire. L'avantage de cette méthode, c'est quand il y aura d'autres conflits, on redébattra ensemble des moyens qu'on souhaite consacrer au traitement de ces conflits. Je veux dire, je ne peux pas être plus démocratique, transparent, etc. Parce que la commission d'arbitrage, elle n'est pas hyper transparente. Vous voyez, elle ne passe pas en conseil, etc. Donc, moi, à un moment, je préfère que sur des sujets comme ça, on se dise les choses, que chacun d'ailleurs entende les positions, hein, toutes respectables qu'elles soient. Et d'abord, on va souhaiter qu'il n'y ait quand même pas des conflits tous les deux matins. J'espère et que sur des sujets comme fonction de la réalité de ce qu'on a à vivre sur le territoire, hein, parce que les réfugiés ukrainiens, il y en a partout dans le pays, d'une commune à l'autre, y compris d'ailleurs sur le territoire. De toute façon, les réalités ne sont pas les mêmes. À un moment, il y a peut-être des choses où on aura des sujets plus importants à traiter, et il y a peut-être des situations où ça sera complètement transparent. Moi, ce que je souhaite, c'est en tout cas, c'est effectivement quand on passe par le canal du CCAS, on permet d'aider la famille dans sa globalité. Oui, voilà. Je crois que c'est le boulot du CCAS. Et je pense que c'est vraiment important. Voilà. J'entends. Voilà. Bien, sur ces sujets, si pas d'autres souhaits d'intervention, je vous propose de passer au vote. Y a-t-il des votes contre ? Y a-t-il des abstentions ? À l'unanimité, merci beaucoup. Je mets mes lunettes. Nous allons passer sur la partie scolaire. Je vais donner la parole à Madame Siadou qui va nous parler de la participation de la commune aux dépenses de fonctionnement de l'école Blanche de Castille pour l'année scolaire 2021-2022. Madame Siadou. Merci Monsieur le maire, bonsoir à tous. Cette délibération est assez classique puisque nous la passons tous les ans. Donc quand il y a un élève scolarisé dans une école privée sous contrat, élémentaire privée sous contrat d'association située dans sa commune de résidence, donc il y a une obligation de prise en charge par la commune des dépenses de fonctionnement de l'école, donc ce qui répond au principe de parité entre l'enseignement privé et l'enseignement public. C'est l'article 442 alinéa 5 du Code de l'éducation. Donc, les dépenses de fonctionnement des classes sous contrat d'association doivent être prises en charge dans les mêmes conditions que celles des classes correspondantes de l'enseignement public. Donc, cette participation de la commune, elle est calculée par élève uniquement chez Nécourtois et par an. Donc, en fonction du coût de fonctionnement relatif à l'externat des écoles publiques de la commune. Donc depuis 2005, la commune se base sur le montant forfaitaire qui a été défini par l'AME 78, donc l'Association des maires adjoints délégués à l'enseignement des Yvelines. Donc c'est 488 euros pour un enfant scolarisé en école primaire, en école élémentaire, et 973 euros pour les enfants qui sont scolarisés en maternelle. Donc l'année dernière, pendant 10 ans en fait, ce forfait n'avait pas évolué. Enfin, le forfait Blanche de Castille percevait 382,50 € par enfant chez Nécourtois scolarisé donc à Blanche, et ce forfait n'avait pas été réévalué. Donc l'année dernière, nous avions voté une délibération de façon à ce que Blanche de Castille perçoive donc le même montant que le montant fixé par l'AME 78. Donc cette année, il y a un petit peu moins d'enfants chez Nécourtois scolarisés à Blanche de Castille. Donc le montant que nous sommes amenés à voter aujourd'hui s'élève à 133 652 €, soit 8 778 € de moins que l'année dernière, donc en raison du fait qu'il y a moins d'enfants chez Nécourtois à Blanche de Castille. Voilà, donc je ne sais pas s'il y a des votes pour, contre. Est-ce qu'il y a des souhaits d'intervention d'abord ? Intervention, oui. Pas de souhaits d'intervention. Y a-t-il des votes contre ? Des abstentions ? À l'unanimité. Merci. Vous conservez la parole à Mme Siadou pour nous parler de la répartition intercommunale des charges de fonctionnement des écoles publiques pour l'année scolaire 2021-2022. Donc pareil, selon le code de l'éducation, donc l'article L212-8, lorsque les écoles maternelles ou les écoles élémentaires publiques d'une commune reçoivent des élèves dont la famille est domiciliée dans une autre commune,
La répartition des dépenses de fonctionnement se fait par accord entre la commune d'accueil et la commune de résidence. Donc, il y a des critères pour lesquels on est obligé d'accepter qu'un enfant ne soit pas scolarisé sur sa commune de résidence, qui sont des obligations professionnelles des parents qui résident dans une commune qui n'assure pas donc directement ou indirectement la restauration ou la garde d'enfants, des raisons médicales de l'enfant ou l'inscription d'un frère ou d'une sœur dans un établissement scolaire de la même commune ou l'inscription dans une classe spéciale. Donc aujourd'hui, la semaine dernière, on a fait les premières commissions donc de dérogation. Voilà, bien évidemment, nous aujourd'hui, on essaye au maximum, enfin, de refuser que des enfants, notamment qui sont chaînés au concours limite Versailles, soient scolarisés sur Versailles. On est très souvent confronté à des problématiques de fratrie, donc on est obligé d'accepter. On a aussi des familles versaillaises qui viennent s'installer au chaînés parce que c'est plus facile parfois de se loger ou d'avoir une maison. Et donc on est toujours un petit peu coincé. Donc là, cette année, on est toujours encore obligé de financer pour 47 enfants principalement à Versailles et de l'autre côté nous on est obligé d'indemniser pour 11 enfants qui sont scolarisés et on a 11 enfants scolarisés sur la commune pour lesquels les communes limitrophes nous indemnisent. Donc voilà, donc on a gagné 1 800 € sur l'année dernière, ce qui est pas énorme, mais ce sont quelques dérogations refusées. Et voilà, donc on utilise les mêmes tarifs qu'évoqués tout à l'heure de l'AME 78, donc 973 et 488. Il y a juste une petite particularité avec Garches et Saint-Rémy-les-Chevreuses, mais qui concerne 2 enfants, donc c'est assez anecdotique exactement. Donc est-ce qu'il y a des souhaits d'intervention? Je n'en vois pas. Y a-t-il des votes contre, des abstentions? À l'unanimité, merci beaucoup. Et je peux juste préciser une chose, c'est qu'on a parlé des enfants ukrainiens. Donc aujourd'hui, on a 9 enfants qui sont scolarisés dans les écoles de la commune. L'inspecteur nous a effectivement annoncé qu'on aurait probablement d'autres enfants qui allaient arriver, mais ils annoncent ça à toutes les communes du département. Aujourd'hui, pour qu'un enfant puisse être scolarisé, je le rappelle, dans une école de la commune, il faut qu'il soit logé dans un logement de la commune. Donc à ce jour, nous n'avons pas eu de demande supplémentaire. Merci pour ces précisions. Je vais redonner la parole à Madame Charpentier qui va nous parler de la course, la chaîne Rock Color, avec les fixations des règles générales d'organisation et les tarifs. Madame Charpentier. Alors, en fait, on aurait voulu que des membres de... En fait, ça a été à l'initiative des membres de la commission sport, loisirs et culture du conseil municipal des jeunes. Donc, on aurait souhaité qu'ils viennent, mais c'est trop tard pour eux. Voilà, donc ils sont restés chez eux. Et cette première édition de la chaîne Rock Color aura lieu le samedi 2 juillet. Il s'agit d'une course à pied, ok, mais on peut aussi marcher. Donc, environ 3 km sans chrono, car le but n'est pas d'être le plus rapide, mais de ressortir coloré après avoir traversé des zones de couleurs implantées tout au long du parcours où les coureurs se feront asperger de poudre colorée. Ces color runs sont issus de la tradition indienne Holi, c'est la fête des couleurs pour fêter l'arrivée du printemps, bon moyen de transcender les castes en se jetant de la poudre multicolore sur le corps. Elle célèbre donc le partage et le bien-être autour des valeurs sportives et fédératrices. C'est donc un événement jovial, positif et coloré. L'essentiel étant de participer même en marchant. Donc on vous attend tous le 2 juillet. Le départ et l'arrivée de la course sont prévus au parc Aubert. Il y aura une boucle en passant par la rue Moxoris, le chemin des écoliers, le stade et le long de l'église Saint-Germain pour rejoindre le parc Aubert. Les participants devront porter un haut blanc pour devenir de véritables arc-en-ciel à la fin de la course. C'est très à la mode des arc-en-ciel au Chênay. La poudre de couleur utilisée est évidemment non toxique. Elle est constituée à partir de fécule de maïs complétée par un pigment colorant naturel. Elle est donc biodégradable et finit par partir d'elle-même sur le sol. Chaque couleur a une symbolique, je ne sais pas si vous le saviez. Le vert, c'est l'harmonie. Le rouge, c'est la joie et l'amour. Et le bleu, la vitalité. Voilà. Bon, je simplifie. La course sera ouverte à toute personne de plus de 6 ans, indépendamment de sa domiciliation, c'est important. Une autorisation parentale sera nécessaire pour les mineurs. Les enfants de moins de 12 ans devront être accompagnés par un adulte qui va donc faire la course avec eux.
Le nombre de participants sera limité à environ 400 personnes. Il n'y aura pas de certificat médical à fournir car la course n'est pas chronométrée. Ils peuvent marcher. La tarification proposée est la suivante. De 6 à 11 ans, c'est gratuit. Et à partir de 12 ans, c'est 5 euros. Et donc, nous avons eu la discussion en commission. L'adulte qui accompagne l'enfant va payer lui aussi 5 euros. Les inscriptions et le paiement auront lieu sur le guichet numérique unique et auprès de l'accueil famille. T'exagères. Ouais, bon. Alors le coût, la tradition indienne. C'est vrai ça. Le coût est de 5000 euros environ, les recettes environ 1000 euros et il est donc proposé à l'Assemblée d'approuver l'organisation de cette première chaîne Rock Color, c'est-à-dire un aller simple pour l'Inde. Voilà, c'est beau hein. Présenté comme ça, ça laisse sans voix. Attends, j'ai pas fini. Ah. C'est à la fin, ça va te finir en un nuage de fumée multicolore rempli d'espoir. C'est comme ça qu'ils disent. Madame Malquet, vous avez le micro. Merci. Je vous en prie. Bon, c'est une activité évidemment à la mode qu'on voit dans beaucoup de villes. Donc, alors je ferai deux commentaires. Le premier, c'est que ça coûte quand même beaucoup d'argent. 5000 euros plus les heures supplémentaires des agents. Donc, donc on peut. Si on peut essayer de pas trop dépenser, ce serait bien. Bon. Et l'autre commentaire, c'est que effectivement, vous avez évoqué le Conseil municipal des jeunes que nous n'avons pas eu l'honneur de voir. Donc, ce serait quand même intéressant. C'est quand même un exercice pédagogique pour les apprendre à devenir citoyens. Donc, c'est un petit peu dommage que le Conseil ne soit pas du tout impliqué dans le processus. Alors, je rebondis sur le premier élément. Ça coûte. De l'argent, ça coûte un peu d'argent. Enfin, moi, voilà, soit on décide de rien faire, soit on anime un peu la ville. C'est jamais complètement gratuit. Voilà, donc je vous laisse apprécier le rapport coût-qualité. Mais la dernière fois qu'on a investi le parc Aubert avec la chasse aux œufs, le retour a été extrêmement positif et les coûts engagés, qui n'étaient pas neutres, me paraissent avoir été utilement dépensés. Sur donc ça, c'est le premier point. Le deuxième, je l'ai oublié, mais vous allez me redire. Oui, le CMJ. Alors, Madame Charpentier vient de le dire, il y a des sujets d'horaire. Il ne s'agit pas de vous priver des contacts avec le CMJ. Moi, ce que je vous propose, parce qu'on est en train de le faire vivre, et j'ai demandé à un certain nombre d'élus de venir présenter pour leur délégation. Donc, si vous en êtes d'accord, je serais ravi que un élu d'opposition vienne expliquer à quoi sert un élu d'opposition dans un conseil, et donc de manière tout à fait libre. Voilà, vous verrez, l'exercice est intéressant. Je peux venir avec vous puisque j'ai occupé cette fonction. J'ai des choses à dire. Non, blague à part, vous verrez que plancher devant des enfants de 9 à 13 ans et essayer de leur expliquer ce que vous faites n'est pas forcément l'exercice le plus simple. Répondre à des questions assez cash n'est pas non plus l'exercice le plus simple. Donc, franchement, enfin, je vous invite à le faire bien volontiers. On les réunit en général le samedi matin. Et donc, si vous êtes dispo, l'une ou l'un d'entre vous, avec grand plaisir. Voilà. Évidemment qu'on va essayer de trouver un moment. Dans l'année, je l'espère, de nous rencontrer encore constitués. Mais vous comprendrez que tant qu'on est dans le temps scolaire, c'est pas évident de les mobiliser, passer une certaine heure, et leurs parents sont vigilants. Voilà. Mais il n'y a pas de volonté de vous les cacher. Ils sont visibles. Ils sont d'ailleurs présents sur un certain nombre d'événements, que ce soit des événements commémoratifs ou des animations. Je pense qu'ils seront présents à cette manifestation. Et l'idée, je le redis aussi, c'est qu'on puisse les accompagner sur la réalisation de projets qu'ils nous proposent. Celui-là en fait un peu partie. L'idée, c'est aussi qu'on soit capable de réaborder entre adultes des sujets qu'ils, eux, n'ont pas de tabou à aborder avec nous et des sujets que nous n'osons plus, moi le premier, aborder avec un conseil municipal normal parce que on considère que ça va être compliqué. En tout cas, ils nous renvoient sur des sujets comme la propreté, comme voilà, ils abordent ça de manière assez novatrice et je pense que ça va être pour nous l'occasion de réouvrir le débat sur des choses qu'ils nous renvoient. Ce sont effectivement des futurs citoyens, ceux-là en tout cas sont très engagés. Donc on n'est pas que dans un exercice d'éducation civique, on est aussi possiblement avec des jeunes gens qui sont capables de nous stimuler et de nous permettre de réaborder entre nous à notre niveau des choses. Après, voilà, si on peut de temps en temps leur permettre de concrétiser des propositions qu'ils font, on le fait. En tout cas, cette proposition émane plutôt du CMJ. Voilà, est-ce qu'il y a d'autres souhaits d'intervention, Madame Fauvel et Monsieur Toledano? Moi, c'est juste, je sais pas, ça marche. Ça marche très bien. Ça marche très bien. Moi, j'avais juste un petit point, Madame Charpentier l'a rappelé. Ça marche pas, mais je peux parler plus fort. Non, c'est pour la sténo. Il faut. Dans le micro? Voilà, c'est bon. En commission, j'avais évoqué le parent qui va accompagner l'enfant de moins de 12 ans, donc entre 6 et 11 ans, c'est gratuit. Et j'aurais voulu qu'on rajoute. Je l'ai dit,
que la tarification pour les parents accompagnants serait de 5 euros. Ça a été dit, c'est pas écrit dans la tarification. Juste ça, c'était un petit point, okay. Parce que c'est marqué à partir de 12 ans, et si on veut pas de problème, ça serait bien qu'on rajoute que l'adulte accompagnant devra payer 5 euros. Oui, mais vous allez avoir des soucis. Même si les gens vont sur une plateforme pour s'inscrire, vous pouvez avoir des gens qui aillent avec la famille en disant « c'est pas marqué, c'est juste un petit point à marquer ». Faites comme vous voulez. On a, les services étaient là. Ah, si ça vous embête, mettez pas. Pas compliqué de le... Je tourne dans l'administration, on peut intégrer cette modification et la haute en sens. Ok, ça marche. Monsieur Toledano. Attendez que... Voilà, le son arrive, ça y est. Oui, allô, bonsoir à tout le monde. Juste un point de détail au sujet des produits utilisés. J'ai bien entendu qu'il était biodégradable. Et donc, parce que pour nettoyer cela, c'est pas évident. Juste la précision au niveau du délai de la dégradation de cela. Mais l'élément que je voulais m'assurer, s'il n'avait pas d'effet irritant sur les conjonctifs, puisqu'ils vont se projeter, se produire sur la face. Voilà. Non, quand anti-allergène. Alors, Mettre des lunettes. Voilà, j'ai pas entendu ça. Comme l'a dit Madame Alquier, on n'est pas complètement pionnier. Donc, alors, je suis pas chimiste, hein, mais je présume que si les autres cours sont autorisés, vos confrères ont dû assez légitimement s'inquiéter de savoir si les poudres n'esquintaient pas ni la peau ni les yeux. Donc, voilà. Enfin, en tout cas, on prendra pas des produits autres que ceux homologués. Il y a des lunettes pour courir. Enfin, on prend l'ensemble des précautions. Lunettes, voilà, pour éviter tout risque. Voilà. Mais enfin, votre remarque est légitime et donc je vous invite à. Voilà, Madame Charpentier a omis de lire cet élément-là, mais il est dans la délibération. Sous ces réserves, y a-t-il d'autres souhaits d'intervention? Je n'en vois pas. Y a-t-il des votes contre? Y a-t-il des abstentions? À l'unanimité, merci. Ah. Pas du tout. Nous abordons maintenant une délibération toute simple. Où il va être demandé au conseil municipal de donner son avis sur la délimitation d'une zone commerciale au Chesnay-Roucancourt, mais je laisse M. Jarige dévoiler le sujet, qui appellera sans doute un certain nombre de réactions. Merci Monsieur le maire, et bonsoir à tous et à toutes. Le centre commercial de Paris 2 est un équipement emblématique de l'Ouest parisien, et depuis son ouverture en 1969, regroupe 200 commerçants. Il constitue le corps économique de notre ville avec l'emploi à peu près de 2220 personnes. Un certain nombre d'investissements ont été réalisés en 2018, dont un cinéma UGC Ciné-Cité. Concernant l'ouverture dominicale, les principes du Code du travail sont respectés. Ils sont précisés dans la libération ci-jointe. Ils concernent avant tout donc le repos hebdomadaire et sa qualification. De plus, les dérogations classiques, que ce soit dans le secteur alimentaire où le commerce de détail sont également respectés. Dans notre ville, depuis plusieurs années, nous avons adopté, après vote du conseil municipal, la mise en place de 12 dimanches par année. Pour ne pas passer par cette inauguration, il existe des centres commerciaux ouverts le dimanche. Il s'agit de ceux situés dans une zone commerciale qui se caractérise par une offre commerciale et une demande potentielle forte. Pour parvenir à cette caractérisation, le Code du travail développe un faisceau d'indices dont l'étude d'impact jointe démontre que Paris 2 y répond, en termes de surface commerciale, de fréquentation client et d'infrastructure adaptée. C'est le maire qui est compétent pour adresser cette demande au préfet de région qui modifie ou délimite cette zone après différents avis, conseil municipal, organisation professionnelle et syndicale, CCI, Chambre des arts et métiers. Chambre des métiers, pardon. Le 28 février, le maire a signifié cette demande au préfet de région avec le dossier d'impact. Ce dernier a demandé à ses services d'étudier le dossier. Par courrier du 22 avril, le secrétaire général de la préfecture des Yvelines sollicite l'avis du conseil municipal. Au vu des différents avis, une décision sera prise avant le 4 septembre 2022. Au niveau des salariés, des enseignes des accords sont mis au travers d'accords d'entreprise ou des accords collectifs de branche. Ces accords fixeront, des contreparties salariales ou récupération de journées. Des engagements seront pris également auprès des publics en difficulté ou de personnes handicapées. Il est donc proposé au conseil municipal, eu égard à l'étude d'impact élaborée à cet effet, d'émettre un avis favorable à la demande de délimitation d'une zone commerciale au Chesnay-Roucancourt qui correspondra au périmètre du centre commercial Westfield Paris 2. Bien, le sujet est un sujet
connu du conseil municipal depuis de longues années. C'est un sujet qui fait débat dans tous les groupes. Donc on va prendre le temps d'échanger. Évidemment, la présence, vous, c'est l'opposition qui va pouvoir réagir à la présentation, mais je pense qu'il y aura des prises de parole, y compris dans le groupe majoritaire. Madame Alquier, puisque vous avez le micro. Comme vous dites, effectivement, ça fait débat, parce que ça fait aussi appel à des convictions. Donc chacun va prendre sa position. Alors, il est vrai que le centre commercial a quand même beaucoup souffert de la pandémie et qu'aujourd'hui encore, on voit des locaux vides. Donc, il y a un vrai sujet quand même de pérennité de ce centre. Et moi, personnellement, je pense qu'il faut effectivement soutenir le centre commercial, y compris sur les autres dossiers comme le SDMU, on va dire. C'est la même démarche. Donc, voilà. Donc, moi, je pense qu'effectivement, il faut protéger ce centre commercial, mais d'autres personnes n'ont pas le même avis. Par ordre d'apparition, Madame Le Ménet. Non, je n'oblige pas, vous n'êtes pas tous obligés de prendre la parole individuellement, hein. Je dis voilà, mais Madame Le Ménet, je pense, a des choses à nous dire. Voilà, avec le micro. Non, je vais faire court puisque je fais à chaque fois le même discours, c'est-à-dire que il y en a qui l'ont pas entendu, Madame Le Ménet. Ah, ça m'étonnerait, j'ai déjà dit l'année dernière, donc non, tout simplement pour moi, c'est souvent des belles paroles de dire oui, ils seront payés plus, ils peuvent décider. La réalité, en fait, dans les magasins. Et vous demandez à n'importe quel directeur de magasin, surtout que c'est la plupart des magasins au centre commercial, c'est quand même des petites surfaces où il y a peut-être 2 ou 3 salariés. Et donc, ces salariés se doivent la solidarité, évidemment, sur les dimanches. Et moi, j'y suis totalement opposée parce que je pense que c'est un élément très défavorable pour la femme, surtout qu'il y a des enfants. Et moi, je pense à ces pauvres enfants dont la mère travaille. Je le sais déjà en ayant plusieurs filles qui sont infirmières et qui travaillent le dimanche. C'est toujours quelque chose de très compliqué. Et je pense que, mais ça, c'est absolument obligatoire. Et moi, je pense que voilà pourquoi je vote contre depuis des années. Parce que je pense qu'on doit préserver la cellule familiale avant tout. Merci, Madame Bilger. Je vois que finalement, l'appétit venant en mangeant, prenez le micro, allez-y. C'est juste, Madame Le Ménet. Non, mais là, je vais parler au nom de notre groupe. Donc, nous n'avons aucun état d'âme sur ce sujet que, personnellement, j'aurais amené sur la table depuis bien longtemps. Non, j'ai une question simplement concernant le commerce de proximité. Est-ce que cette question a été abordée auprès des commerçants en ville? Ça, c'est plus pour qu'ils soient préparés à ceci. On a parlé auprès de certains, oui, qui n'ont vu aucun problème du fait que le dimanche sont ouverts au Chesnay que les boulangers et du restaurant, donc ce n'est pas du tout un problème de fond. Si nous avions, disons, un réseau de 100 ou 150 magasins non alimentaires ouverts le dimanche, oui, comme sur Versailles peut-être. Mais nous ici, je veux dire, le dimanche matin, malheureusement, on a 3-4 boulangers et 3 supérieurs qui sont ouverts, bien sûr, ok. Mais je veux dire, l'avantage donc de parler d'eux, ce n'est pas que la partie alimentaire, ce n'est qu'une petite partie oui, par non, rapport non, à tout le reste. Oui, non, mais vous n'avez pas besoin de nous convaincre. Non, non, mais donc, je ne dis pas le contraire. Mais c'est vraiment pour, par rapport effectivement, au petit commerce, avoir leur retour. Il n'y a pas, donc, par rapport à ça, donc, et du fait qu'il n'y a pas de concurrence frontale, vraiment, je veux dire, hormis Super U avec Monoprix et Auchan et 2-3 boulangers, voilà. Et moi, alors autant je comprends les arguments de Madame Le Ménet, mais d'un autre côté, il y a aussi beaucoup d'étudiants et ou de jeunes célibataires qui ont envie de travailler le dimanche et pour lesquels c'est une source de revenus important. Et je pense que ben voilà, on est en liberté et chacun doit pouvoir travailler quand il le souhaite. Si je peux me permettre pour vous, donc nous avons fait un forum de l'emploi des jeunes donc à Versailles jeudi dernier. Il y avait à peu près 330 jeunes. OK, pour une centaine d'offres, et dans les offres, donc il y avait beaucoup d'offres dont il fallait travailler le dimanche. Et en parlant des étudiants, donc les étudiants étaient eux intéressés par des jobs de dimanche. Et c'est vrai que par les deux, donc dans les 150 jobs, je veux dire entre à peu près 150-70 jobs potentiels, il y aura pas mal donc de jobs proposés aux étudiants sur une base de samedi et dimanche. Oui, monsieur Audic de Carmen. Vous avez la parole. Pardon. Oui, bonsoir. Alors moi, je vais prendre une autre casquette, qui est la casquette de la CCI, donc du département 78, où je suis élu depuis 7 années.
Aujourd'hui, quand on regarde les zones industrielles et les zones commerciales qui ont un centre commercial ouvert, malgré, j'entends, les possibilités de faire des sacrifices au niveau familial, certes, eh bien, on s'aperçoit que ça fonctionne bien, qu'il y a de l'emploi, qu'il y a des gens qui ne vont pas aller ailleurs. Prenons un exemple, Boulogne-Billancourt, si Paris 2 est ouvert le dimanche, ils viendront ici, ils iront plus à Vélizy, ils iront plus à La Défense, ils iront plus dans d'autres autres centres commerciaux qui sont déjà ouverts. Donc ça aussi, c'est important à savoir, sachant pour ma part qu'en regardant ce qui se passe chez nous à la Chambre de commerce, et au niveau régional, on s'aperçoit que quand les centres commerciaux sont fermés le dimanche, eh bien, petit à petit, eh bien, ça ne crée plus l'emploi, ça ferme même des possibilités, et la région ou l'endroit meurt. Donc ça, c'est à vous de décider. C'est pas moi qui le dis, c'est ce qu'on a vu au niveau de notre activité de chambre commerciale et industrie. Tout simplement, Madame Le Ménet. Aussi un point qui est important à savoir, c'est que au niveau donc du centre, on a quand même une création donc du cinéma depuis maintenant donc quelques années, et malheureusement le cinéma souffre à l'heure actuelle. Si demain donc on peut offrir une offre de restauration conséquente et non pas un seul restaurant comme aujourd'hui, on aura sûrement, je suis quand même convaincu, du monde en plus le dimanche. Aujourd'hui, il faut savoir que nos cinémas tournent à peu près à 50%, ce qui est quand même difficile pour eux. Et c'est vrai que je pense que le dimanche, avec une offre à peu près de 10-12 restaurants, nous pourrons attirer une nouvelle population qui aujourd'hui va soit à Vélizy, soit à La Défense. Madame Alquier. Oui, merci. Est-ce que vous avez une idée de la position de Versailles Grand Parc, car il me semble qu'ils avaient voté contre la dernière fois? Alors, j'ai une idée assez précise du président de la communauté d'Aglo, qui est très défavorable à cette position, mais ce n'est pas un scoop. Donc je ne peux pas préjuger du vote, puisqu'il y aura un avis qui sera donné au Conseil communautaire, mais chaque chose en son temps. En tout cas, aujourd'hui, le débat il a lieu au Conseil municipal, et comme je vous l'ai dit, du débat, il y en a dans tous les groupes, et donc ce serait vous mentir qu'il n'y en a pas dans notre groupe, et donc je vais donner sans attendre la parole à M. Soleil, qui a des choses à vous dire. Effectivement, merci M. le maire. Bon, moi je fais partie de ceux qui ne sont pas du tout favorables à ce projet, pour un certain nombre de raisons. J'ai lu avec beaucoup d'attention le rapport de Westfield, qui est fondé essentiellement sur des critères économiques, de compétition, de chiffre d'affaires, d'accroissement du chiffre d'affaires, de concurrence, etc. Je suis pas certain que cette voie, ça, soit la bonne. C'est la voie du productivisme un peu systématique, et je suis pas du tout persuadé que cette voie-là soit la bonne. Le dimanche, c'est une journée que chacun connaît comme la journée de la famille, du repos, du changement, du partage, du spirituel. Tout ça est peut-être maintenant d'une autre époque, c'est peut-être un passé révolu, mais si ce passé était révolu, je suis pas certain qu'on a tout à y gagner. Je suis même assez inquiet sur l'évolution d'une société qui ne donnerait plus de temps pour toutes ces choses-là. Ça, c'est sur le plan éthique. Sur le plan économique, je suis pas du tout convaincu par ce que nous présente Westfield. D'abord, c'est la demande de Westfield, c'est pas la demande des enseignes qui vont avec. Vous observerez, si vous le lisez attentivement, que Westfield ne porte jamais la demande des autres. Effectivement, j'ai rencontré, moi, des responsables de grandes chaînes, pour pas la citer, le BHV, qui sont pas tellement favorables à cette solution. Ni eux, ni leur personnel. Moi, sur le plan économique, il y a un sujet qui m'inquiète un petit peu, c'est qu'en fait, Westfield nous dit, si on travaille davantage, on aura plus de chiffre d'affaires, donc plus de profit. Bon, très bien. Et ils extrapolent sur la base des 15 dimanches qu'on leur avait accordés pendant les périodes d'activité commerçante intense. Bien évidemment, les soldes, c'est pas tous les dimanches, et Noël, c'est pas tous les dimanches non plus. Donc je pense que on est certain qu'il va y avoir des coûts supplémentaires liés au personnel, puisqu'il va falloir les payer double, mais qu'on n'est pas forcément certain, d'ailleurs c'est l'inquiétude des enseignes qui sont un petit peu limites sur le plan économique, on n'est pas tout à fait certain que le chiffre d'affaires sera à la rencontre des dépenses supplémentaires. Puis le troisième point, c'est sur le plan purement écologique et développement durable, je pense qu'il est quand même assez clair de regarder qu'un centre commercial, c'est pas un modèle ni de réduction des consommations d'énergie, ni de circuit court. Alors, augmenter l'activité des centres commerciaux, je pense que c'est un schéma de pensée qui est complètement obsolète et que là, on appuie cette demande sur un schéma, sur un principe qui est déjà complètement dépassé. Voilà. Bon, on ne pourra pas être... Monsieur Jarige. En parlant d'enseigne, donc, Monsieur Louis Soleil évoque BHV, que j'ai rencontré moi aussi. Moi, j'ai un autre avis de leur part. Bon, ça, c'est pas un problème. Moi, j'ai rencontré des enseignes comme la Fnac, comme Decathlon ou Go Sport, qui, eux, sont intéressés
par le travail du dimanche. Bon, après, c'est vrai que ça sera fait sur une base de volontariat, que ça ne sera pas, attendez, ça ne sera pas tous les dimanches, déjà, donc ça sera à tour de rôle, qu'au niveau des avantages, il y a quoi? Il y a soit donc un salaire qui est payé double, ou bien un salaire qui est payé dans 50% en plus et une journée de récupération en plus. Ça, c'est quand même un avantage quand même. Il faut savoir quand même qu'il y a une possible création d'emplois. Donc, on estime à 150 emplois à peu près. On a quand même 700, on a à peu près 7% de taux de chômage sur notre ville quand même. C'est quand même important. On a quand même 330 personnes qui sont RSA, dont certaines quand même cherchent du travail. Et on a quand même nos étudiants qui aussi voudraient donc travailler le week-end. Donc, je pense que ça peut faire partie des raisons au niveau écologique. Je peux rejoindre Monsieur Louis Soleil sur ce point. Mais par contre, il y a quand même une chose, il faut savoir quand même, c'est que tous les dimanches ou tous les week-ends, quand on voit des livraisons quotidiennes et vraiment très, très fréquentes de colis d'Amazon Prime ou autres, je veux dire, le bilan écologique aujourd'hui par rapport à cela, je pense qu'on peut peut-être éviter cela en partie, je dis bien en partie, et que les jeunes et que les consommateurs viennent plutôt dans le centre et viennent faire du click and collect dans le centre. Voilà. C'est une de mes réponses. Alors, c'est moi qui donne la parole. Merci. Voilà. Donc, la parole est à Monsieur Berthomé et pas tut. Je suis ravi de résider aujourd'hui au Chênaie, jouxtant la ville de Versailles. Il s'avère que fut un temps, n'ayant aucun moyen, d'accord, j'aurais beaucoup aimé pouvoir travailler le dimanche pour pouvoir me payer mes études. Moi aussi, je viens des jésuites. Moi aussi, je connais le dimanche et la messe. Moi aussi, je connais tout ça. Alors, juste deux secondes, je termine. Tu pourras répondre, il n'y a aucun problème. Mais il s'avère que moi, je viens de rien. D'accord? J'ai été, à l'époque, servir de l'essence le dimanche. À l'époque, on servait de l'essence aux stations-service pour pouvoir me payer mes études parce que j'avais pas une thune. Mon père ne me donnait rien. D'accord? J'étais à la rue. D'accord? Et si je suis arrivé où je suis arrivé tout seul, c'est parce que j'ai gratté le dimanche, d'accord? Alors moi, je vais vous dire une chose, si j'avais la chance de pouvoir aller travailler au centre commercial de Paris 2 pour pouvoir gagner un salaire à peu près correct, multiplié par deux le dimanche, eh ben je vous assure, j'y serais allé tout de suite. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Voilà, bien. Alors, un droit de réponse court, Louis-Marie. Non, d'abord, je pense que, comme chacun l'aura compris, il ne s'agit pas d'une affaire personnelle. Non, c'est pas à peine de personnel. Non, on a compris que ton intervention n'était pas du tout personnelle. Ça, j'ai bien compris ça. Je ne me suis pas du tout senti concerné. Donc, merci de ton intervention, pas du tout personnelle. Et d'ailleurs, je ne l'ai pas prise comme ça. D'accord. Mais cette délibération, à mon avis, elle concerne, et le débat devrait concerner, des sujets d'ordre généraux et pas des sujets d'ordre particulier. Donc je voudrais qu'on élève un peu le débat. On va s'interrompre. Jean-Michel, rapide. Très rapide, moi je voulais juste dire que je rejoins l'avis de Louis-Marie Soleil, puisque je suis tout à fait de son avis. Voilà. Bien, alors Madame Bataille. Je voulais dire que j'avais interrogé un jour, un dimanche, des vendeuses du BHV à Paris 2 pour leur demander si elles étaient contentes d'être là, si elles l'avaient choisi. Et elles m'avaient répondu qu'elles auraient préféré être chez elles avec leurs enfants, mais que si elles refusaient d'être là, il y avait des mesures de rétorsion. Voilà, j'ai dit. Bien. Alors, Madame Le Ménet. Merci pour ce témoignage. Je ne sais pas comment s'appelle ce monsieur qui est intervenu là sur le travail du dimanche. Moi, je peux vous dire que. Ah non. Ouais. On va faire quoi? Je sais que vous êtes une grande gueule, mais je me souviens pas de votre nom. Bah non, vous avez toujours le dos tourné. Moi, je vous vois pas. Je vous vois même pas de face. On écoute Madame Le Ménet. Je vous vois même pas de face. Il s'appelle Monsieur Berthomé. Voilà. Bon.
Allez. Non, tout simplement, il a toujours existé des petits boulots le dimanche. Moi, tous mes enfants aussi, dans une famille nombreuse, alors on a aussi des problèmes de fin de mois, excusez-moi, mais ils allaient au marché vendre du poulet. Bon, donc, ça n'a rien à voir avec un travail à plein temps, comme disait madame. On va obliger une personne à prendre des dimanches alors qu'elle ne le souhaite pas. Maintenant, si tous les établissements de Paris 2 disaient « on donne vraiment le choix et on ne prend que des étudiants le dimanche », ça ne me dérangerait pas. Mais ça n'est pas le cas, parce que vous savez très bien que quand on est dans un magasin, il faut connaître la réserve. Enfin, je vous dis, les vendeuses, c'est un vrai métier. C'est un vrai métier et ça serait dénaturé et de dire que n'importe qui peut remplacer une vendeuse, c'est pas vrai. Un job de dimanche, non, c'est quand même pas ce qu'il y a plus. On va s'en tenir à une prise de parole par personne parce que si on fait 8 tours de piste, ça va être un peu long. Alors, est-ce qu'il y a Madame Bélier? Alors, parce que moi, il faut que je fasse la synthèse après. Je ne vais pas me priver d'un petit temps de parole, Madame Le Ménet. Étant élue à la famille, je soutiendrai le point. Est-ce qu'on parle sur Madame Bélier? Parce que restez nous. Je ne suis pas tout à fait d'accord avec le travail du dimanche pour tout le monde. Maintenant, j'aimerais quand même faire une toute petite remarque, c'est que quand je prenais la position de Madame Le Ménet dans l'opposition en disant que j'aurais bien aimé m'assurer que le travail était entièrement volontaire pour le dimanche, je me suis toujours fait traiter d'à peu près tous les noms. Et j'ai même effectivement, comme Madame Bataille, été voir les personnes qui travaillaient pour m'assurer que ce n'était pas vrai. Et même quand je le disais, on ne me croyait pas. Voilà, donc... merci. Bien, est-ce que tous ceux qui voulaient prendre au moins une fois la parole ont pris la parole? Bon, merci en tout cas de vos interventions libres. Intense. Je pense qu'il y a une part de vérité dans tout ce qui a été dit par les uns et par les autres. Je crois pas que vous dénaturiez. Voilà. Donc, je vais juste moi vous partager très modestement mon témoignage. J'ai grandi dans une entreprise où on travaille du lundi au dimanche de 0h à 24h et où la question du week-end en fait ne se pose pas. Donc j'ai bossé. J'ai bossé le samedi, le dimanche, la nuit, le jour, voilà, sans doute moins que beaucoup d'autres de mes collègues qui ont fait ça toute leur vie. J'ai un peu goûté à ça, donc je suis sans doute un peu déformé sur cette question et moins passionné que vous ne pouvez l'être, mais je suis assez respectueux de vos prises de position. Si vous en êtes d'accord, en tout cas, je vais vous proposer, une fois n'est pas coutume, qu'on vote à bulletin secret pour que chacun se sente libre. Mais pour ça, il faut. Mais donc je propose. Donc vous ne le souhaitez pas. Est-ce que dans le groupe majoritaire, vous souhaitez qu'on vote à bulletin secret ou pas? Tout le monde est à l'aise avec. Okay. Très bien. Donc je vais donc. Alors, qui a des pouvoirs? Ceux qui ont des pouvoirs, vous lèverez deux fois la main. Pas forcément la même. Vous lèverez deux fois la main, pas forcément en même temps. Ok. Mais vous lèverez quand même deux fois la main. Vous n'oublierez pas vos pouvoirs. Je vais demander à l'administration d'être assez scrupuleuse et méthodique dans le décompte. Qui vote contre? Donc on compte les bras. Mais peu importe. À la fin, on comptera le total des bras. Est-ce que pour l'administration, le décompte est fait? Je compte pas, hein, donc... Benoît Charret, on va vous faire confiance, c'est bon? Il y en a combien? 11, ok. Y a-t-il des abstentions? 2. Y a-t-il des votes pour? Bah, moi aussi. Alors, est-ce que le compte est bon, monsieur Charret? Si vous pouvez éviter de me dire qu'il y a 44 bras, ça m'arrangerait. Ah ben, il y a peut-être quelqu'un qui... Oui, ben, NPP, enfin, NPPV, etc. Moi, de fait, il ne prend pas part au vote. Monsieur Deschâtelus, il n'est pas là, donc il ne vous a pas donné procuration. Alors, les pour à nouveau...
Oui, Benoît, qui lève deux fois les bras. C'est bon. Bien, merci pour ce débat. Je crois que c'était important. Je redis que le Conseil s'est exprimé pour avis et que la décision in fine appartient au préfet de région lui-même, donc qui recueillera l'avis du Conseil communautaire. Donc, je ne préjuge pas du vote. La position du président, je la connais. Le vote moins. Et donc la décision interviendra au plus tard le 4 septembre. Voilà. Oui. D'accord. Alors, je vais demander aux contres, s'ils ne sont pas frappés d'amnésie, de bien vouloir lever la main pour leur pouvoir. C'est moi, c'est pas mon pouvoir. C'est votre pouvoir. Exactement. Ok. Finalement, le bulletin secret sera été plus rapide. Non. Le conseil est souverain. Moi, je propose. Merde. Bien, merci beaucoup et merci à l'administration d'avoir recueilli les votes de l'Assemblée. Je vais redonner la parole à Monsieur Soleil pour une mission d'accompagnement et de conseil du CIG en matière d'assurance dommage aux biens. Voilà, donc c'est un sujet qui est un petit peu délicat parce que nous étions assurés, la ville était assurée pour les dommages aux biens, enfin contre les risques de dommages aux biens par la société SMACL depuis un certain nombre d'années. Et puis, les conditions de l'exécution de ce contrat se sont durcies pour l'assureur et qui a proposé de dénoncer, enfin de procéder par avenant en cours de contrat ou à défaut de dénoncer le contrat au 31-12-2021. La ville a opté pour la dénonciation. Donc, le contrat a été dénoncé et avant qu'il soit complètement arrivé à échéance le 31-12-2021, on a procédé à un nouvel appel d'offres. Pas de chance, un seul assureur a répondu, de nouveau la MACSL, CL, à des conditions extrêmement défavorables pour la ville. Donc, on est actuellement assuré par eux jusqu'au 31-12-2022, mais on commence à se préparer à de nouveau consulter pour essayer d'avoir un assureur dans de meilleures conditions. Pour ça, on demande l'assistance du CIG, dont c'est en partie la vocation, de nous apporter un conseil sur le sujet, pour tout ce qui est consultation, etc. etc. Et le CIG demandera une contribution à hauteur de 80 euros par heure de travail, sachant que pour le moment, il est prévu 26 heures d'intervention, ce qui ferait une dépense de 2080 euros, qui peut s'étendre à d'autres heures si on étend aussi le sujet sur le conseil, sur les avenants, la relation avec les assureurs, etc. Donc, voilà, ce qui vous est proposé, c'est d'accepter la proposition d'intervention du CIG dans les conditions que je viens de vous préciser. Merci Monsieur Soleil. Y a-t-il des souhaits d'intervention sur cette délibération? Je n'en vois pas. Y a-t-il des votes contre? Des abstentions? À l'unanimité, merci. Et nous devrions toucher au terme de ce conseil avec une dernière délibération qui concerne la participation à l'entretien des forêts domaniales de Fausse-Repose et de Marly au travers d'une convention de partenariat entre notre commune et l'ONF. Monsieur Ribert. Merci Monsieur le Maire. Donc effectivement, c'est une convention qu'on passe tous les ans. D'habitude, on les passe un petit peu plus tôt dans l'année, mais cette année, on avait voulu renégocier avec l'ONF la façon dont était construite la convention. En particulier, il y avait une charge relativement conséquente sur l'entretien hebdomadaire et le nettoyage de la partie Fausse-Repose, puisque la partie de Rocancourt, le parc de Marly, n'était pas finalement nettoyée de façon hebdomadaire. Donc on s'est interrogé sur cette raison, surtout que de nombreuses associations nous demandent de pouvoir finalement nettoyer et participer à cette partie de la forêt. On a donc une nouvelle convention où la partie nettoyage régulier a été enlevée, de façon à pouvoir cette année dépenser environ 6000 euros sur du renouvellement de mobilier qui est nécessaire. On a des barrières qui sont abîmées, des panneaux de présentation qui sont aussi hors d'âge, et tout en contenant la convention à un budget équivalent à celui qu'on faisait les années passées. Voilà, Monsieur le Maire.
s'il y a des questions. Merci. Y a-t-il des souhaits d'intervention sur cette convention avec l'ONF ? Je n'en vois pas. Y a-t-il des votes contre ? Des abstentions ? À l'unanimité. Merci beaucoup. Nous arrivons donc au terme des délibérations. Il y a des décisions qui sont jointes au Conseil. Est-ce qu'il y a des souhaits d'intervention sur les ou précisions sur les décisions qui vous ont été communiquées ? Je n'en vois pas non plus. Et donc nous arrivons à la partie des questions diverses. Et là, Madame Alquier, on a quatre. Alors, ce que je vous propose, à votre convenance, soit on les lit une par une et on y répond. Je pense que c'est peut-être plus simple que de lire les quatre questions. Oui. Hein, bien sûr. Donc, je vous laisse lire la première question, Madame Alquier. Alors, la construction de l'ensemble immobilier à la Redingote est en voie d'achèvement avec l'occupation des locaux, des logements et de locaux commerciaux. Il était prévu de faire un jardin aux abords de ces constructions qui doterait ce quartier d'un espace vert qui en manque cruellement. Nous avons été informés de l'abandon de ce projet. Donc, pouvez-vous nous dire ce que va devenir cet espace? Et puis, pouvez-vous également nous donner des précisions sur la reconfiguration du rond-point de la Redingote, qui, nous le voyons, est en cours de travaux? Je passe la parole à Monsieur Soleil, qui va essayer d'apporter des éléments de réponse à cette question. Madame Alquier, votre question comportant deux questions, je vais répondre en deux fois. Pour ce qui concerne le jardin public, depuis l'époque où ce projet était un projet, ce qui date de la mandature précédente, il y a deux éléments nouveaux qui sont apparus et qui font partie de notre politique. C'est que, un, on essaye de restaurer les communes, les finances de la commune. Or, ce terrain, cet ensemble immobilier avait été acquis pour 1 550 000. On estime important d'essayer de valoriser cet actif en le cédant plutôt qu'en y faisant un espace vert qui nécessitera par ailleurs des investissements. Donc ça nous paraît important. La deuxième chose, c'est comme vous l'avez probablement compris, on a la volonté politique de combler, d'essayer de combler le retard qu'on a en déficit de logements sociaux. Et donc c'est la raison pour laquelle nous négocions actuellement, nous discutons avec un bailleur social ou des bailleurs sociaux pour essayer d'y construire un collectif incluant des logements sociaux. Ceci dit, dans les projets que nous connaissons, il existe... sur le projet le plus avancé, en tous les cas, il existe une possibilité d'espace vert, puisque, comme vous le savez, ce terrain est exactement au-dessus du passage de l'aqueduc du Lavre, sur lequel nous ne pouvons pas construire. Et donc, de toute façon, même s'il y a logement, il y aura espace vert, en particulier dans la partie nord-est du terrain. Il y aura, dans le projet le plus avancé que nous travaillons, il y a un espace qui sera à peu près équivalent à ce qui était prévu, un petit peu moins, peut-être sur 150 ou 200 mètres carrés d'espace vert inconstructible et sans parking. Pour ce qui est du rond-point de la Redingote, il y a plusieurs choses. D'abord, les travaux en cours vont se terminer. C'était des travaux pour l'eau potable. Donc, une fois qu'on aura terminé ces travaux, on va remettre le rond-point dans l'état précédent. À ceci près qu'on va peut-être pas remettre les balisettes qui étaient devant le restaurant au Liban, ce qui nous permettra d'observer l'intérêt éventuel de les remettre ou de pas les remettre. Je vous rappelle par ailleurs que dans le projet SDMU, il est question de supprimer le tournant à droite devant Auliban et de supprimer le tournant à gauche vers la rue Caruelle. Donc, je pense qu'on va quand même regarder un petit peu, mais de toute façon, on mettra le rond-point en l'état. Et puis, il y a une petite mention particulière pour la pointe devant au carrefour Rocancourt, rue de Versailles, et qui a été demandée par le commerçant Les Vignes de France, et pour lequel on ne peut pas faire grand-chose pour le moment, parce qu'on n'est pas propriétaire de cette pointe. Il y a une nécessité de négocier avec Proderim la cession définitive de cette pointe, et d'ailleurs leur contribution à l'aménagement, à la remise en état de cette pointe. Donc tant qu'on n'est pas propriétaire, on ne peut rien faire. On va juste faire un peu propre en attendant que Proderim veuille bien réagir à ce qu'on leur a proposé déjà au mois de février. Pour le moment, c'est nous qui sommes en attente de leur position sur cette petite zone de terrain. Est-ce que ça répond à votre question ? Merci, Madame Alquier. Je vous propose de passer à la deuxième question. Pardon. Attendez, que le son arrive, Monsieur Toledano. Excusez-moi. Je vous en prie. Je voulais juste une précision au sujet de la construction de l'habitat social. Et à ce niveau-là, on en a déjà longuement parlé dans ce conseil du nombre d'habitats qu'il va y avoir sur la rue de Versailles. Sur ces taxes-là, juste vous parler de quel habitat social que je comprenne. C'est celui à la place du jardin. Ah non, on ne parle pas de ça. Si. Ah.
Si. Mais enfin, pour l'instant, il... Oui, c'est un projet. Enfin, il est... Oui, c'est un... Oui, enfin, mais... un projet, là. On est... Enfin, je croyais que vous parliez des travaux en cours. Non, non, non. D'accord. Je parlais du projet et je ne sais même pas comment on peut envisager qu'un tel projet prenne place au milieu de ce qui doit exister et de ce qui doit se construire. Voilà, c'est tout. Ça s'appelle de la mixité sociale, Monsieur Toledano. Vous plaisantez ou quoi ? Non, je ne plaisante pas, là, non. Mais bon, okay. On en parlera. Oui. Bravo pour les projets. Hein. Juste pour finir, vous disiez qu'il y avait l'acte Duc de Lave dessous. Vous pensez qu'on peut construire là-dessus ? Non, hein, c'est pas le même endroit. Hein. C'est précisément pour ça qu'on a prévu un espace vert dans le coin nord-est du terrain. Ouais. Juste, monsieur Toledano, juste bon, que je comprenne bien, je rappelle que sur la rue de Versailles, on va enfin. Non, parce que vous avez abordé, je termine juste parce que le projet CIMAR, c'est comme mon prédécesseur qui l'a porté pendant longtemps, c'est du projet pur social. On est sur la rue de Versailles, j'ai pas l'impression qu'il suscite beaucoup d'émotions, donc je vois pas pourquoi, à 300 mètres de là, on a droit à ce type de remarques, étonnantes, quand même, étonnantes, alors que vous connaissez comme moi la situation en matière de déficit de logements sociaux dans la ville. Je comprends pas votre réaction, mais on en reparlera hors micro parce qu'il y a encore trois questions diverses. Il y a le projet sur Speedy qu'on n'a pas oublié. Oui. Il y a le projet de la place. Mais c'est pareil, c'est des projets qui sont vieux de 10 ans, monsieur Toledano. Non, non. Bah, celui si. De Speedy, non. Ah, si, si. Bon, d'accord. Enfin, bon, voilà, okay. On revoit l'historique. Okay. Madame Alquier. Je vais faire la question 3. Voilà. Nous sommes en mai 2022, à 3 mois de la fête des Chênes Verts, prévue début septembre 2022. Les commerçants, comme les associations, ont toujours exprimé leur désir de participer activement à ce moment important de convivialité qui réunit les habitants autour de cet événement festif intergénérationnel. Et nous les soutenons car la fête de la ville doit être la fête de tous les Chênais courtois. Pouvez-vous nous dire votre position cette année quant à leur participation que vous avez jusqu'alors toujours refusée dans son principe ? Bien, alors ma position a évolué et je vais laisser Monsieur Jarige vous la préciser. Après un long combat, donc nous avons, qui était un peu long, mais bon, ça y est. Donc, on a donc statué la semaine passée que les commerçants, artisans et entreprises donc, pourront donc participer à la fête des Chênes Verts, donc qui se déroulera de la fête de la ville, pardon. Oui, attendez. J'ai dit artisans, entreprises et commerçants de la ville pourront donc participer donc à la fête des Chênes Verts, donc le 10 et 11 septembre prochain. À ce jour, nous avons déjà 35 participants. On se fixe 45. Et sur les 35, il y a déjà 4 nouveaux commerçants. Donc, c'est déjà positif. Voilà. Ben merci, parce que c'est effectivement un moment important pour les commerçants qui ont l'opportunité de parler avec les habitants. Et merci. Et avec 35, c'est déjà un record. Donc, j'espère qu'on atteindra, je vous dis, les 45. Voilà. Mais à l'instar des débats que nous avons sur Parler d'eux, il y a aussi des débats sur ce que doit être une fête municipale. Donc, je fais partie des gens qui, là, de ce côté-là, n'étaient pas complètement en phase. Et de temps en temps, on n'est pas tous alignés. Non, je vous garde tous. Je vous garde tous. Voilà. Question 4. Donc, à la faveur des travaux de voirie effectués rue de Gatigny pour la rénovation de l'assainissement et l'enfouissement des réseaux, une modification du schéma de circulation des bus a été mise en œuvre pour éviter le passage par la place Laboulé. Nous demandons la pérennisation de ce schéma pour la ligne 1, qui a montré son adéquation avec les besoins et permet d'équilibrer les flux dans ce quartier. Et nous demandons aussi qu'une réflexion soit menée sur les besoins des seniors, dont beaucoup, dans le schéma actuel, avec simplement la ligne 7 à portée de pas, ont perdu l'accessibilité à des lieux de vie importants comme le marché ou le CCAS. Et contrairement à ce que vous pensez, bon, les seniors prennent le bus pour peu qu'il soit raisonnablement accessible. Bien, je ne sais pas ce que vous imaginez de ce que je pense des seniors, pas par moi. Pas par moi. Bien, alors par contre, ce que j'ai dit et redit, et je vous le redire, c'est que le schéma des bus, il ne va pas changer. Parce que ça, vous ne pouvez pas dire, je ne vous l'ai pas dit 20 fois. Donc je vous le redis, et on a annoncé à la population, écoutez-moi Madame Alquier, je réponds, que les tracés étaient des tracés provisoires et qu'à la fin des travaux, ils reviendraient les tracés d'origine. Non mais je réponds.
Oui, je vous ai écouté, donc laissez-moi vous répondre. Donc, vous n'êtes pas surpris de la réponse, parce que celle-là, je voulais marteler, mais je crois que des fois, il faut remarteler les réponses. Et je redis que le schéma, le tracé des bus dépend de l'Île-de-France Mobilité. Ça fait juste 4 ans que je le dis et je n'ai pas changé d'avis. Et je vous l'ai dit aussi, en tant que maire, je ne demanderai pas la modification des tracés de bus. Ensuite, sur la question de l'utilisation par les CD, bah oui, madame Alquier, je comprends, vous faites des grimaces, mais pour le coup, c'est la loi. Et j'ai pris position avant la campagne, pendant la campagne et après, de manière assez nette sur le sujet. Ensuite, sur les bus. On peut philosopher à volonté sur la proximité pour les seniors des réseaux de bus. Les lignes, elles passent forcément à proximité d'un certain nombre de seniors. Voilà, le tracé des lignes, quel qu'il soit à un moment. Et je termine, madame Alquier. Quel que soit le tracé, à un moment, il y a des seniors qui vont se retrouver près d'une ligne de bus et d'autres plus éloignés. Mais vous pouvez bouger les lignes dans tous les sens, cette vérité restera vraie tout le temps. Voilà, ce que je veux dire simplement sur la desserte du CCAS, et ça, pour le coup, nous l'avons fait depuis le début de la mandature. Vous avez, si vous avez été observatrice, et je pense que vous arrive de circuler sur la D307, vu apparaître un projet d'installation d'un arrêt de bus qui a vocation à la fois à desservir le site d'ACA et le CCAS. Donc cette ligne-là aujourd'hui, elle ne dessert pas le CCAS, elle va améliorer, c'est la ligne 5, de manière sensible la desserte du CCAS. C'était une demande qui avait été formulée, et donc vous voyez que de temps en temps on est à l'écoute et qu'on arrive, profitant de l'arrivée d'ACA Technologies, à obtenir de la part de l'Île-de-France Mobilité des modifications légères de tracé. Mais pour ce qui est de la refonte générale du plan de bus au Chesnay, on y a passé de longues années, vous n'êtes peut-être pas d'accord avec le plan, mais clairement, moi, maire, je ne demanderai pas à l'Île-de-France Mobilité de réviser ce tracé, notamment sur le plateau. Et donc, par rapport à ce qu'on a dit aux habitants, les tracés tels qu'ils sont sur le plateau, ce sont des tracés provisoires, le temps des travaux, et nous reviendrons dès que les travaux sont terminés, aux tracés tels qu'ils ont été validés par Île-de-France Mobilité, parce que c'est son job. Voilà. Donc, je répondrai à ceci. La première, sur les seniors, il ne se passe pas une semaine sans qu'on m'en parle. Franchement. Donc, je vous porte la voix des habitants qui me disent qu'ils n'ont plus accès au marché. Voilà. Parce que la redingote, c'est trop loin, en fait. Voilà. Voilà. Bon. Donc, il y a un vrai souci. D'accord. Mais vous pouvez me dire que le marché. D'accord. Mais regardez, déplier le plan. Le marché, il est desservi par 4 lignes de bus. Donc, je veux bien tout ce que vous voulez. Toutes les lignes de bus ne peuvent pas passer au marché. Mais si vous essayez de me faire croire que le marché n'est pas desservi par les lignes les plus structurantes de la ville, ben on ne prend pas les mêmes réseaux de bus. J'ai encore pris ce matin le bus, vous voyez, parce que de temps en temps, je m'autoproduis. Donc la ligne 2, si elle ne dessert pas le marché, je ne sais pas ce qu'il vous faut. La ligne 2, c'est la ligne structurante la plus fréquente de la ville. Elle la traverse de A à Z. Voilà, donc évidemment, vous allez forcément toujours me trouver des gens qui sont sur une ligne de bus qui ne passent pas au marché, quel que soit le tracé. Les chaînes vertes, tout ça, ils trouvent qu'ils sont trop loin. Voilà, je vous le dis. Après, vous en faites ce que vous voulez. On ne peut pas faire du porte-à-porte. Vous faites ce que vous voulez. On ne peut pas faire du porte-à-porte. Mais les chaînes vertes, ce n'est pas tous les seigneurs de la ville, madame Alquier. Ce n'est pas tous les seigneurs de la ville. Il y en a juste dans toutes les résidences de la ville. Donc, à un moment, je vous mets au défi, quel que soit le tracé que vous modifierez, vous découvrirez là brutalement que vous allez priver des seigneurs qui aujourd'hui prennent le bus et ne vous disent rien. Madame Alquier, qu'est-ce que vous avez fait ? Dès qu'on bouge une ligne, c'est mécanique. Voilà. Et les seniors, je vous assure, ils sont répartis de manière très homogène sur tout notre territoire. Voilà. Mais on peut en parler longtemps, mais vous aurez du mal à me convaincre. Bon. Après, que vous trouvez. Non, mais bon. Non, mais on m'en parle souvent, donc je porte leur voix au conseil. Et j'invite tout le monde quand même à réfléchir. Et je ne vous ai pas demandé la refonte globale du réseau de bus, c'est pas ce que j'ai dit. Mais déjà, la rue Kléber est encore en train de s'effondrer, donc il y a quand même un vrai souci. Donc je continue à porter cette voix également, même si je ne suis pas surprise par votre réponse. Merci. Vous avez sauté la question numéro 2 parce que vous n'en voulez plus ? D'accord, okay. Très bien. Ok, ça marche. J'ai déjà traité le sujet avec votre équipe. Donc parfait, voilà. Ok. Donc on s'épargne ce sujet. Je pense que nous avons vraiment définitivement épuisé le sujet. Deux éléments avant que vous nous évaporiez, je vous demande de rester assis. Le premier, c'est pour noter la date du prochain conseil municipal, le 6 juillet, dans cette même salle à la même heure. Et le dernier, donc j'appelle, je sais pas où est-ce qu'il est parti, directeur adjoint de cabinet, je vais vous demander, on va se lever, on va applaudir Madame Timon, notre sténo, parce que c'est sa dernière ce soir. Pourquoi il est tout le monde
Donc je la remercie évidemment à travers aussi sa maman, parce que je rappelle que voilà, elle a succédé dans ses fonctions à sa maman. Donc elle est victime du progrès, de la modernisation, etc. Voilà, les technos font que, etc. Mais on vous remercie infiniment en tout cas de nous avoir accompagnés. On vous souhaite bonne continuation. Merci à toutes et à tous pour votre implication dans ce conseil. On savait qu'il y avait une délibe importante, elle a eu lieu. Merci à vous, bonne soirée et à très bientôt. Oui, si, je rappelle qu'il y a deux tours d'élection. Je rappelle qu'il y a deux tours d'élection. Que tous autant qu'on est, si, écoutez-moi deux minutes, tous autant qu'on est élus de la majorité de l'opposition, les bureaux de vote, par défaut, c'est pas en option. La démocratie, elle fonctionne que si les bureaux de vote sont ouverts. Que pour celles et ceux qui vont s'y coller, si on veut offrir un peu de temps de repos, il faut qu'on ait des assesseurs, etc. Donc je le dis et je le redis, majorité et opposition, je passe les messages en clair. Vous avez le droit de faire appel à vos amis, etc. On est toujours en train de courir après les assesseurs, et autant vous dire que le deuxième tour des législatives, ils vont pas être légion. Or, il faut qu'on tienne les bureaux de vote, et pour le confort des présidents, des vice-présidents qui sont là, je vous demande de mobiliser vos réseaux, parce que ce sera, on le sait, ce ne seront pas les candidats de second tour qui vont nous permettre d'offrir un nombre d'assesseurs suffisant pour vous offrir à vous, toutes et tous, de la respiration. Donc, merci de vos efforts collectifs. Bonne soirée. Thank you.